Bien, je vous propose, bonjour à toutes et à tous, je propose qu'on débute et celles et ceux qui doivent nous rejoindront en cours de route, ils ont quelques minutes de retard. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mesdames et messieurs les parlementaires, chers collègues, et je salue aussi en particulier mes collègues de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ce matin à l'Assemblée pour ces premières rencontres de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation que nous avons souhaité placer pour sa première édition sous le thème de l'investissement des collectivités territoriales dans la transition écologique. Notre objectif ce matin et avec ces rencontres de la délégation, c'est faire dialoguer gouvernement, parlementaires, élus locaux, experts, chercheurs, acteurs engagés sur cette question décisive et urgente qui nécessite la mobilisation de tous. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, cher Christophe Béchu, de vous être rendu disponible pour introduire ces premières rencontres et puis venir partager avec nous vos convictions et votre feuille de route sur ce sujet. Je remercie également Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, cher Jean-Marc, d'être parmi nous pour évoquer les enjeux de la transition écologique dans les territoires, et puis comment l'Assemblée, à travers en particulier la commission que vous présidez, aborde cette question. Je remercie aussi les représentants des associations d'élus présents ce matin, présents physiquement ou en chemin, je dirais. Nous aurons le plaisir d'accueillir Jacques Auberti, le maire d'Aigues-Vives et président du Sicoval, Monsieur Étienne Langereau, maire de Montrouge, vice-président du territoire de la vallée du Sud Grand Paris et conseiller délégué à la métropole du Grand Paris, représentant tous les deux l'AMF, Monsieur Sébastien Miossec, il est bien là, maire de Rieck-sur-Bellon et président Quimperlé Communauté, qui représente Intercommunalité de France, Nicolas Méry, maire de Brétigny-sur-Orge et vice-président en charge de la biodiversité et de la transition écologique au Conseil départemental de l'Essonne pour l'Association des départements de France, Monsieur Romain Collat, maire de Boussy-Saint-Antoine pour l'Association des petites villes de France, Madame Anne-Claire Boux pour l'Association Ville et banlieue adjointe à la maire de Paris, ainsi que tous les élus locaux qui sont venus échanger ce matin. Seront présents également des acteurs experts d'horizons différents qui sont engagés sur la question de la transition écologique, de l'investissement public local. Je voudrais remercier Thomas Rougier, le secrétaire général de l'OFGL, Monsieur Franck Valtou, directeur général stratégie locale, Monsieur Florentin, Monsieur Albert du CNRS LATS, qui nous font le plaisir d'être là ce matin, Madame Morgane Nicole de l'ICATCE en charge des programmes, notamment territoire, M. Costa Castrinidis de la direction de la Banque des territoires, notamment la direction des prêts, Mme Agnès Renner, directrice générale déléguée de l'ANCT, ainsi que Michel Kopfer, consultant en finances locales. Enfin, vous l'aurez compris, l'idée, c'est dans un format très large, de pouvoir réunir tous les acteurs engagés, débattre, poser un diagnostic et puis essayer de tracer des perspectives sur ce sujet capital. Alors, pourquoi est-ce que nous avons retenu ce thème pour les premières rencontres de la délégation? Parce que nous sommes fixés collectivement des objectifs très ambitieux en matière de transition écologique et de décarbonation de notre activité au sens large, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle la stratégie que nous sommes fixés de réduire de plus de 55% d'ici 2030, depuis 1990, nos émissions de gaz à effet de serre. Et si des progrès sont constatés, force est de constater que nous sommes encore très loin des objectifs que nous nous sommes fixés. Aujourd'hui, nous devons, État, collectivités territoriales, acteurs de la société civile, aller deux fois plus vite si nous voulons atteindre notre objectif climatique de 270 millions de tonnes émises en 2030 et la neutralité carbone en 2050. Alors pour y parvenir, notre conviction, c'est que les collectivités territoriales jouent un rôle décisif dans la planification écologique, au moins pour deux raisons. La première, c'est qu'elle porte des politiques publiques qui sont au cœur de l'accélération de la transition énergétique. Je pourrais citer la mobilité, les transports, la gestion des réseaux,
la gestion des déchets, la rénovation énergétique des bâtiments publics, autant de responsabilités qui font des collectivités territoriales un rouage indispensable de la planification écologique. Et puis aussi, conséquence de ces responsabilités, les collectivités territoriales représentent près de 70% de l'investissement public local, l'investissement public civil, avec près de 65 milliards en 2021. Et si ces investissements sont considérables, déjà, le constat est là. Pour accélérer notre transition, nous devons collectivement investir bien davantage. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos échanges. Je prends ici un seul exemple. La seule rénovation énergétique de toutes les écoles du pays représente un investissement de 40 milliards d'euros. I4CE, qui est présent avec nous ce matin, a évalué qu'il faudrait que les collectivités territoriales multiplient par deux le montant annuel de nos investissements. Or, des incertitudes planent sur l'évolution de l'investissement public local, en raison des prix de l'énergie, on en a longuement débattu ici à l'Assemblée, de la remontée des taux d'intérêt, et puis peut-être une certaine prudence aujourd'hui des élus locaux compte tenu de ces incertitudes qui font craindre, y compris pour l'année 2023, une forme de décision de report d'investissement pourtant cruciaux. Pourtant, la situation à fin de l'année 2022 est plutôt favorable, avec une épargne brute supérieure à 2019, une trésorerie de 57 milliards d'euros qui recouvre des réalités naturellement bien différentes. Et donc, au fond, les objectifs de cette matinée pourraient être d'essayer de tracer comment organiser collectivement ce sursaut d'efforts, lever les freins et franchir ce mur d'investissement avec plusieurs questions. Le montant des investissements nécessaires pour faire face à ces enjeux, la réorientation des investissements et des investissements publics, celle de la dette, et notamment celle qui sert à financer des investissements indispensables pour les décennies qui viennent, dette verte contre dette climatique, sa durée, son financement, son acceptabilité, la question de l'innovation et de la mobilisation d'autres financements. Je pense notamment à la proposition de loi sur le tiers financement que nous avons adoptée à l'Assemblée à l'unanimité pour permettre d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics. Il nous faudra aller chercher d'autres sources de financement pour répondre à cette urgence. La question de la mesure et de la valorisation des efforts et des progrès qui sont faits au niveau territorial. Bref, autant de questions dont, je le souhaite, nous débattrons ce matin et dont la représentation nationale devra se saisir pour accompagner les collectivités territoriales sur ce chemin. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le Président Jean-Marc Zulesi, puis je laisserai la parole à Monsieur le Ministre Christophe Béchu. Cher Jean-Marc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi de vous saluer, de saluer l'organisation de cette table ronde essentielle pour aborder le sujet de la transition écologique. Permettez-moi aussi de saluer Monsieur le Ministre, avec qui nous avons beaucoup de bonheur à pouvoir travailler sur ces sujets, tant par son écoute que par sa volonté d'avancer sur le fond sur ces sujets-là. Permettez-moi aussi de vous saluer à tous, les parlementaires, saluer les élus, saluer tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l'organisation de cette table ronde. Nous l'avons dit, la transition écologique est aujourd'hui une évidence. Elle est une évidence. Et face à cette évidence, je crois que nous avons une opportunité de pouvoir développer un nouveau modèle de société basé sur le développement durable, basé sur une croissance durable, basé sur l'aménagement durable des territoires. Et cette transition écologique, elle doit embarquer tout le monde. Cette transition écologique, elle ne peut plus se décider depuis Paris. Cette transition écologique, elle doit être comprise par l'ensemble de nos concitoyens. Parce que si nous voulons protéger la biodiversité, si nous voulons rénover nos maisons, nos bâtiments publics, développer nos transports partagés, des transports partagés et décarbonés, si nous voulons protéger la ressource en eau ou encore faire des déchets une véritable ressource, eh bien cela passera par nos territoires. Cela passera par une prise en compte de la volonté de nos concitoyens. Et donc oui, les élus locaux, les collectivités territoriales doivent être placés au cœur de la décision. Au cœur de la décision, et cela vous semblera sans doute très symbolique, mais le fait que nous ayons à la tête du ministère de la Transition écologique un maire est le symbole aussi de cette volonté d'avancer avec vous, avec
les collectivités territoriales. Et donc pour cela, notre volonté commune, en particulier dans la commission développement durable et aménagement du territoire, c'est de pouvoir travailler à un cadre législatif qui soit clair. Et à ce titre, je salue le travail réalisé à la fois par la commission des affaires économiques, le travail mené par les différents collègues du Sénat, mais aussi l'écoute du ministre Béchu sur l'application du zéro artificialisation nette. Car oui, nous croyons dans la nécessité de maîtriser notre urbanisation, mais encore faut-il l'appliquer avec, disons, pragmatisme et sens des réalités de terrain. Pour tendre vers cet objectif que j'ai souhaité de mes voeux, d'associer mieux les collectivités territoriales, il me semble qu'il faut que nous multiplions ces soutiens financiers ciblés. Et donc, je vois d'un bon œil l'arrivée de ce fonds vert, le déploiement du plan vélo pour accompagner les collectivités territoriales qui souhaitent s'engager dans cette transition des mobilités. Il nous faut aussi accompagner nos collectivités territoriales dans l'ingénierie. Parce que oui, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de développer une piste cyclable. Ce n'est pas simple de s'engager dans le zéro artificialisation nette. Et donc pour cela, je vois d'un très bon œil l'émergence de la NCT, le travail fait par l'OFB dans les territoires, la volonté du CEREMA d'accompagner les collectivités territoriales. Et puis, nous avons aussi voulu donner un tempo autour du budget vert. Nous avons un budget vert au niveau national qui, à mon sens, est trop peu utilisé par la représentation nationale, mais c'est une opportunité pour nos communes de pouvoir eh bien, tout simplement mettre en avant d'abord le travail qui est mené dans vos budgets pour venir investir dans les collectivités territoriales, mais c'est l'occasion aussi d'aller plus loin dans l'investissement. Et donc, si nous avons un cadre légal qui est beaucoup plus clair, si les soutiens financiers se multiplient et sont bien ciblés, si l'ingénierie territoriale accompagne cette volonté de transition écologique dans les territoires, si les outils mis à votre disposition sont plus simples, eh bien je suis convaincu que l'investissement dans les territoires arrivera. Parce que je le sais, ce n'est pas toujours simple d'aller expliquer à nos concitoyens que les communes s'endettent. Il y a de la dette qui peut être vertueuse, j'en suis convaincu, la dette qui travaille sur l'avenir, la dette qui travaille sur la décarbonation des territoires. Et donc, notre enjeu, il est là. Notre enjeu, il est là. Il est de vous accompagner dans cette dynamique pour tout simplement, ensemble, travailler sur l'action de terrain et tout simplement travailler sur notre avenir. Un très grand merci à vous, Monsieur le Président, et je laisse la parole, si je ne m'abuse, à Monsieur le Ministre. Merci, Jean-Marc, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Très bien, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, d'être ainsi encadré par le Président Cazenave d'un côté et le Président Zulesi dès le matin, sur un sujet aussi simple que l'accélération de l'investissement des collectivités territoriales en matière de transition écologique, mais évidemment une forme de pression sur les quelques mots que je dois vous adresser. Déjà, il y aurait sans doute matière à faire un temps de réflexion et de travail avec toute une partie de ceux qui sont là sur comment accélérer l'investissement des collectivités territoriales en arrêtant la phrase à cet endroit-là et en mettant le point d'interrogation à ce niveau. On pourrait avoir un colloque spécifique sur le financement de la transition écologique, vaste sujet. On a ce matin, dans le cadre du travail de la délégation aux collectivités territoriales, ce débat souhaité par Thomas Cazenave sur le point de rencontre entre transition écologique et territoire, et bien évidemment, continue de l'intitulé de mes responsabilités, c'était pour moi impensable de ne pas être là, d'autant que ma conviction absolue et ancienne, c'est que l'accélération de la transition écologique, elle passe par le terrain. Elle passe par les citoyens, elle passe par les gestes que nous faisons les uns et les autres au quotidien, parce que vous pouvez décréter tous les plans que vous voulez depuis Paris, à un moment, c'est bien la manière dont on se déplace, c'est bien les choix individuels que nous faisons par rapport à ce que nous achetons, par rapport à notre façon de consommer, qui ont un impact et qui participent de manière plus ou moins forte à nos émissions.
Mais quand on remonte, on se rend compte qu'effectivement, les collectivités ont un levier sur tous les grands chantiers de décarbonation et de préservation de la biodiversité qui sont majeurs. Échelon de mise en œuvre des politiques, échelon de pédagogie et d'accompagnement de nos concitoyens, échelon de mise en cohérence des ambitions climatiques et des décisions qui sont prises. On pourra faire tous les amendements qu'on veut au zéro artificialisation nette. À la fin, celui qui délivre le permis de construire, qui détermine une densité, qui s'inscrit dans un schéma, qui définit un urbanisme qui va être favorable au fait d'avoir des alternatives à la voiture thermique, que ce soit en imaginant ou en prévoyant les infrastructures de mobilité douce ou en organisant le service de transport ou en mettant en œuvre des bornes de recharge qui permettront de faciliter l'électrification, ce sera un élu local. On peut prendre toutes les décisions qu'on veut sur le transport en commun. L'autorité organisatrice de mobilité qui aura à trouver le bon équilibre entre la part de financement des usagers, le niveau de service, la fréquence, le niveau d'investissement, etc. Cette réalité-là, elle ne doit pas masquer le fait qu'on a une ambition extrêmement forte sur le plan européen et qu'à la minute où nous nous parlons, aucun pays n'est dans le rythme qui permet d'atteindre les 55% de baisse des émissions à l'horizon 2030. Notre continent est globalement engagé à des niveaux qui varient entre 20 et 25% si on se dit les choses de manière rapide, et nous devons ici en France doubler le rythme de baisse des émissions d'ici à 2030. Dit comme ça, ça peut sembler simple. Si je vous rappelle que nous avons doublé au cours des 5 dernières années par rapport aux 5 années précédentes, on peut même se dire qu'à ce moment-là, c'est facile, sauf que ce n'est pas du tout le cas et que la réalité des émissions à aller chercher nécessite, à la fois dans l'ambition et dans les décisions qui sont prises, de la constance, de la cohérence et une capacité à avoir une convergence beaucoup plus forte des échelons locaux et nationaux pour qu'il n'y ait ni maladaptation, ni investissement qui nous éloigne de cet objectif. 70% de l'investissement est local, et dans cet investissement local, même si nous avons des disparités entre les différents niveaux, 80% de l'investissement est porté par de l'autofinancement quand on regarde le bloc des collectivités locales sur les derniers chiffres connus, les derniers comptes administratifs votés étant évidemment ceux du milieu de l'année 2022, et c'est donc l'année 2021 qui nous sert de référence. 80% d'autofinancement. Sans faire un grand débat de finances publiques, chacun conviendra qu'il est plutôt souhaitable de ne pas payer des dépenses de fonctionnement avec autre chose que des recettes de fonctionnement. Sinon, on finit par être menacé globalement de faillite ou de banqueroute. Mais qu'à partir du moment où on fait des investissements pour l'avenir, la légitimité d'utiliser un emprunt est forte et elle devient absolument évidente si, de surcroît, cet emprunt vous permet de diminuer vos charges de fonctionnement ou les dépenses que vous auriez à faire plus tard. Et donc, pour se dire les choses de manière rapide, la manière d'accélérer la transition écologique dans les territoires, c'est évidemment de jouer sur plusieurs critères. Le premier, c'est celui de la relation entre l'État et les collectivités territoriales. Et le second, c'est celui des stratégies de dette ou d'endettement qui peuvent exister. Sur le premier point, on va tout de suite mettre les choses au point. Il y a évidemment une hétérogénéité considérable de situations dans le pays, surtout après une année 2022 qui a été marquée par l'inflation et par les prix de l'énergie. Mais quand je parle d'hétérogénéité, pour être très clair, cette hétérogénéité est tellement forte que nous avons en gros les grandes communes qui, elles, sont fragilisées par l'augmentation des prix et plus ou moins toutes celles qui ont des charges de centralité parce qu'elles se retrouvent avec une part d'énergie dans leurs dépenses de fonctionnement qui est supérieure à la moyenne. Et à l'autre bout du spectre, les plus petites communes qui, étant totalement couvertes par le bouclier tarifaire, n'ont pas vu les évolutions et se retrouvent plutôt avec des progressions de trésorerie. Le seul chiffre dont on dispose au 1er janvier, c'est évidemment pas celui des comptes administratifs de l'année 2022, mais c'est les dépôts au trésor et ils sont en progression, tout bloc confondu. Ce qui peut sembler contre-intuitif après l'année qu'on a vécue, mais c'est la réalité. Deuxième élément, pas de surprise à ce stade, mais de vigilance, notamment pour les parlementaires, c'est le faible nombre de communes qui ont demandé à bénéficier du filet de sécurité établi par la loi de finances rectificative en milieu d'année dernière, seulement 4100, pour
pour 100 millions d'euros d'avances remboursables sur les prêts de 500 qui existaient, et la progression des dépôts au Trésor me laisse penser que, malgré l'assouplissement du filet de sécurité décidé pour l'année 2023 et qui sert à accompagner les collectivités qui auraient des progressions de leurs dépenses de fonctionnement, il restera peut-être des crédits, et donc il serait souhaitable de se demander comment on les réaffecte si c'est le cas, plutôt que de se retrouver dans une situation où il y aurait une reprise par Bercy au détriment de l'investissement des collectivités locales. Tout ce qu'on se dit est en off, hein, ce matin, j'avais oublié de poser la question avant de prendre la parole. Bon. Ça, bien sûr. Je pose ça, je pose un deuxième bloc très rapide qui est celui de l'investissement. Ma conviction, c'est qu'il faut aider les collectivités à investir. C'est la raison pour laquelle le montant des soutiens à l'investissement pour les collectivités locales en 2023 est juste le double de celui de l'année 2022. Il y a 2 milliards d'euros entre la DSIL et la DETR. En 2023, c'est 4 milliards, puisque nous ajoutons 2 milliards de fonds verts. Et là, le 27 janvier, nous avons ouvert le site permettant de déposer les formulaires de dépôt de demande de crédit fonds verts. À hier, c'est-à-dire en 5 jours, nous avons eu 1800 ouvertures de dossiers. Sur les 1800 demandes de subventions fonds verts, on en a plus de 1000 qui concernent la rénovation. Près de 800, ce sont des chiffres ultra provisoires, ils sont certainement déjà différents hier, puisqu'on est sur un rythme de 300 par jour. Donc mais je vous les donne à hier. Hier, on avait 800 rénovations thermiques, 350 rénovations d'éclairage public. Et tous les items, depuis l'érosion du trait de côte jusqu'aux items de biodiversité, faisaient l'objet de demandes à des niveaux qui étaient plus ou moins importants, le littoral et la montagne étant assez logiquement moins sollicités que des dispositifs qui se passent partout en France. Donc il y a une appétence, il y a une envie, il y a une prise de conscience et il y a une réalité. Une fois qu'on a dit ça, un des aspects, un des sujets, je le pense sincèrement, de la table ronde d'aujourd'hui, c'est comment on fait en sorte que les tuyaux de dépenses et de recettes arrivent les uns en face des autres. Comment on fait en sorte que les soutiens soient efficaces et soient efficients, y compris dans les modalités. Parce que je pense que dans le succès du fonds vert, il y a le fait que ce n'est pas un appel à projet, que ce n'est pas un appel à manifestation d'intérêt, qu'il y a des enveloppes départementales qui ont été communiquées fin décembre, que tous les préfets de département connaissent les chiffres depuis le début du mois de janvier et qu'il y a sans doute eu, bien avant le 27, des temps d'explication et de présentation. Et là, on a un sujet qui est celui globalement des budgets verts, pour qu'on ait un dialogue demain autour de la transition écologique qui nous permette de parler des mêmes choses. Si nous considérons que l'urgence climatique nécessite qu'on y concentre les moyens, encore faut-il qu'on s'entende sur ce qui est bon pour le climat et qui doit être soutenu en priorité. Et de ce point de vue, la réflexion telle qu'elle est conduite, elle me semble aller dans le bon sens, et je vous invite à une chose, c'est à laisser les collectivités locales travailler. N'allons pas fixer une norme nationale, n'allons pas nous substituer à des associations d'élus qui en ce moment sont en train de travailler pour faire en sorte de nous proposer un dispositif, parce que je pense souhaitable en termes de confiance et en termes de méthode, qu'on laisse d'abord toutes celles qui ont déjà initié des process de ce type sans y être contraintes par la loi, de remonter leurs bonnes pratiques et de regarder dans quelle mesure on peut travailler ensemble. Enfin, ce budget vert, il est de mon point de vue à la fois la première brique d'une stratégie potentielle de changement d'alignement de nos subventions. Le CRTE demain pouvait être en quelque sorte la matrice intermédiaire. En clair, un contrat des contrats dans lequel on précise notamment les ambitions en termes de transition écologique et en faisant en sorte que les financements publics tels qu'ils existent puissent être fléchés en fonction et en face de ces dépenses. Puisque un des problèmes aujourd'hui ou des biais, c'est qu'on a des CRTE qui ont pris du temps à être concertés mais qui ne sont pas financés. Et on a à côté de ça des dotations d'investissement qui ne sont pas directement reliées à des contrats. Je pense qu'on pourrait gagner à faire en sorte de rapprocher ces différents éléments. Mais l'argent public ne pourra pas tout. Pour une raison simple, c'est que le mur d'investissement que nous avons dépasse les capacités budgétaires de nos collectivités locales et celles de l'État. Donc la question, c'est comment on débride une capacité d'investissement pour que l'urgence climatique permette une forme de quoi qu'il en coûte d'investissement. Et là, le sujet, ça devient comment on peut engager des dépenses sans épargne et sans avance. Le climat est un usurier. Tout ce que je ne fais pas aujourd'hui me coûtera plus cher demain. Il est dans l'intérêt des finances publiques d'aller faire des dépenses de rénovation de manière immédiate, sans attendre.
Mais quand j'ai 100 millions de mètres carrés qui appartiennent à l'État, ça voudrait dire que le niveau des dépenses qu'il faudrait qu'on engage avec une moyenne à 1000 euros du mètre carré dont on pourrait discuter à l'infini, mais c'est quand même 100 milliards. Les écoles, un peu moins de 45 000 écoles dans ce pays, un peu moins de 50 millions de mètres carrés de bâti, mais le bâti scolaire département, région et commune, quand je l'agglomère, c'est 50% des mètres carrés qui appartiennent aux collectivités territoriales et qui représentent 380 millions de mètres carrés dans ce pays. Faire des travaux tout de suite, c'est bon pour le climat, mais c'est bon pour le pouvoir d'achat des collectivités à moyen terme parce que ça leur évitera de se retrouver dans une situation où leurs dépenses augmentent. Et puis il y a quand même des gagnants dans cette équation dont on a le droit de parler. C'est par exemple les enfants et les enseignants qui se retrouveront avec des conforts d'usage relativement différents de ceux qui sont expérimentés tout au long de l'année, et en particulier pendant les épisodes de forte chaleur ou pendant les épisodes plus frais que nous pouvons connaître avec la sobriété qui s'impose. Et ça, c'est l'idée du tiers financement. On fait des travaux tout de suite et ils sont remboursés pendant la durée d'amortissement par les économies de fonctionnement qui sont rendues possibles. Je me réjouis du vote qui a été obtenu à l'unanimité ici à l'Assemblée nationale et j'ai bon espoir que dans quelques jours, le Sénat puisse se positionner exactement de la même manière. Mais il y a un sujet, c'est qu'à partir du moment où vous faites un investissement qui n'est pas gagé par une recette mais par une baisse de dépenses, il doit être aggloméré dans vos ratios et dans votre capacité de désendettement ou dans votre ratio d'endettement en termes de finances publiques. Et ça peut représenter un frein parce qu'on sait que le niveau de dette par habitant fait partie des quelques indicateurs du débat politique local. Et dans ce contexte, on a vite fait d'aller montrer comment il y a une augmentation du niveau de dette. Réhabiliter une dette qui permet d'éviter des dépenses à venir et qui permet des gains climatiques immédiats, c'est l'idée de la dette verte et du sujet sur lequel on pourrait travailler. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques messages que je voulais vous partager. J'attends, à vrai dire, de cette journée qu'il y ait bien d'autres idées qui soient capables d'émerger. Je me réjouis par anticipation de lire la conclusion de vos échanges parce que je ne pourrai malheureusement pas y assister de manière totale. J'ai la conviction absolue que là, on est vraiment en présence de deux intérêts qui se rencontrent, des élus locaux qui sont à portée de baffe de nos concitoyens et qui donc se retrouvent aussi à portée immédiate de toutes les aspirations à davantage de transition écologique et dans le même temps, une capacité à agir qu'il faut qu'on débride pour que l'urgence climatique et la capacité à investir de manière immédiate, elles ne s'opposent pas mais qu'on trouve le moyen de les réunir. Quand je vous aurais dit que les capacités actuelles de désendettement du bloc communal est inférieure à 5 ans, du bloc départemental inférieure à 3 ans et du bloc régional seulement à 6 ans et demi, ça veut dire qu'on a des réserves d'investissement dans ce pays pour résoudre une partie de l'équation qui est énorme. On a certainement à travailler, y compris sur des véhicules financiers innovants. On a même sans doute dans un certain nombre de cas à regarder et à nous appuyer sur les retours sur investissement extraordinaires qui sont possibles dans certains domaines, parce que c'est le chiffre sur lequel je vous laisse, enfin, non pas que je vais rester ici pour vous écouter, mais sur lequel j'arrête de parler cette fois-ci, et parce qu'il me frappe. On peut dire que la rénovation, c'est complexe parce qu'il n'y a pas de bâtiments qui se ressemblent. C'est vrai. Les climats, les ambiances, les dates de construction. Mais 40% des dépenses énergétiques de toutes les communes de France, c'est l'éclairage public. 40%. 15% des 30 millions de lampadaires, maximum, estimation haute, sont au LED. Et le LED, c'est au moins 50% d'économie, sans même parler ensuite des horaires d'éclairage. Le gisement d'économie d'énergie sur un truc simple, extrêmement facile à modéliser, sans aucune prise de risque technique, et avec des prix de l'énergie qui réduisent les délais de retour sur investissement, voilà typiquement un sujet sur lequel, normalement, dans un pays concentré d'autant d'intelligence, de volonté politique, où on devrait être capable, en peu de temps, d'opérer un virage spectaculaire pour retrouver une part de notre souveraineté, indépendamment des longs débats sur le mix énergétique que nous pouvons avoir, les stratégies des années passées et des années à venir. Merci infiniment, bravo pour l'organisation de ce débat et encore une fois, je pense qu'il est précieux, utile et qu'il n'a sans doute jamais été aussi nécessaire. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci pour ces mots et ces perspectives qui rejoignent effectivement l'ordre du jour que nous sommes fixés ce matin et nous aurons à cœur de vous transmettre les conclusions, les pistes que nous aurons pu identifier dans cette matinée, puis aussi ouvrir des chantiers, parce que vous en avez identifié un certain nombre sur lesquels, je crois, entre la représentation nationale et les associations d'élus, nous aurons à travailler conjointement. Alors, l'objectif, le temps d'échange est structuré en trois étapes. Un premier moment autour de l'état des lieux de l'investissement public local, avec des experts et des praticiens pour qu'on prenne, j'allais dire, collectivement un peu la photo. Vous rappelez, monsieur le ministre, qu'on a une situation des finances locales à la fois incertaine et de l'autre côté qu'on n'a jamais autant eu probablement de capacité d'investissement. Donc, y voir clair sur la situation de l'investissement public local. Un deuxième temps d'échange autour des grands enjeux auxquels sont confrontées les collectivités en matière d'investissement. Et puis, une troisième étape autour des leviers, des freins pour identifier les actions, les initiatives que nous pourrions être amenés à prendre. À chaque fois, je rappelle juste les règles du jeu sur chaque séquence. L'objectif, c'est qu'il y a une mise de jeu, je dirais, d'experts, de praticiens, puis un temps d'échange avec représentants élus locaux et puis représentants parlementaires de la représentation nationale. Un temps d'échange libre. Voilà, donc je vous propose qu'on commence avec ce premier temps d'échange. Et en invitant pour cela M. Thomas Rougier, qui est secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, que je salue et que je remercie de sa présence, pour déjà une présentation, je dis, rapide, synthétique, sur l'investissement public local aujourd'hui. Vous l'aurez compris, pour faciliter les échanges, chacune et chacun de vraiment rester sur un propos synthétique, concis, qui permettra ensuite d'être débattu. Merci beaucoup. Je vous cède la parole, Monsieur Rougier. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'organisation. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur les parlementaires, Madame les parlementaires, les élus. C'est une fierté d'être ici devant vous parce que l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale a cette mission de collecter, d'analyser et de partager l'information sur les finances et la gestion publique locale. Donc en très peu de temps, je vais forcément être partiel. J'ai fait des choix pour essayer d'introduire nos débats sur la situation, l'état des lieux et les perspectives de l'investissement public local dans son ensemble. Deux axes. D'abord, vous parlez un tout petit peu du cycle en cours et puis ensuite d'une étude qu'on a faite sur les déterminants de l'investissement. Un grand plaisir de parler à côté de Ludovic Albert et de Franck Valtou aussi. Donc je les remercie pour ce trio. Et pour les organisateurs aussi, une organisation assez parfaite. Pour mes deux axes, sur le cycle en cours, pour faire vraiment très très simple, alors le chiffre est un peu différent parce que je pars des comptes des collectivités, toutes les collectivités, budget annexe compris, en 2022, ce sera 56-57 milliards de dépenses d'équipement direct. Je parle des dépenses sur les actifs des collectivités locales. Et ce chiffre, il fera suite à trois choses importantes. Une baisse des investissements assez forte en 2020, un effet de cycle assez classique, renforcé ou dynamité par la crise Covid, donc une baisse très forte, et puis deux années de hausse faciale assez nette en 2021 et en 2022. L'estimation pour 2022, elle est encore provisoire, hein, mais à partir des chiffres de la DGFiP, on peut tourner entre 8 ou 9% d'évolution de ces investissements. Mais une fois que j'ai dit ça, je dois tout de suite parler d'un phénomène nouveau, vous l'avez dit dans votre introduction, qui est celui des prix. Donc nous, notre estimation, c'est que dans le rebond de 2021, il y a à peu près un tiers qui est lié à un effet prix. Et dans l'augmentation de 2021, ça sera entre 60 et 70% de l'évolution qui sera liée à un effet prix. Pourquoi ? Parce que derrière, en amont, les coûts du côté de travaux publics et de bâtiments ont fortement augmenté dès 2021. Il faut se souvenir que ça a commencé en 2021. Et avec une estimation 12 mois sur les TP d'à peu près 9% en 2022 d'augmentation des coûts, et pour les bâtiments d'environ 7%. Donc on aura les chiffres définitifs, ça sera plus précis. Mais enfin, voilà, il y a une nouvelle donne à laquelle on n'est pas habitué, hein, qui est de vérifier toujours dans les chiffres qu'on fournit cet effet des prix pour parler des vraies réalisations sur le terrain. Donc on est bien face à des augmentations. Il y a un effet lié au retard pris en 2020 sur les évolutions de 2021 et 2022. Et puis une volonté locale aussi de refaire partir cet investissement avec le soutien, vous l'avez dit, de l'État qui a très très rapidement marqué des ambitions sur les dotations d'investissement versées. Sur cet état des lieux, deuxième chiffre important,
il faut qu'on parte du principe tous collectivement que le niveau d'investissement actuel est relativement élevé. Si je le compare à celui du mandat et du cycle du côté municipal précédent, on est à peu près 16% actuellement au-dessus du niveau de 2016, qui était deux années après les élections. Donc le niveau en euros par habitant, à population comparable et à prix comparable, donc j'enlève cet effet prix, on est plutôt sur un début de mandat assez élevé. Mais il faut tout de suite tempérer ça, on n'est pas non plus sur des niveaux records. Et si je corrige avec cet effet prix et cet effet population, on est encore très en dessous de ce qu'on a pu observer dans les années 2003 à 2013, où les niveaux d'investissement étaient bas. Donc il faut bien avoir conscience. Mais vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, vous avez dit qu'il va falloir être ambitieux sur les volumes à venir. C'est-à-dire ne nous contentons pas d'avoir un début de mandat qui a des perspectives, qui offre des perspectives, pour se limiter à ce niveau d'investissement, il me semble. Donc ça, c'est pour l'axe état des lieux. Si je prends mon autre intervention, c'est les déterminants de l'investissement. Donc on a fait une étude avec Samuel Lorestif qui est derrière, à l'Observatoire, pour dire qu'est-ce qui explique qu'une commune A et qu'une commune B n'investit pas la même chose, alors qu'elle a des caractéristiques assez proches. Donc on a observé le mandat précédent, 2014-2019, et sur les communes de plus de 2000 habitants, je passe les détails un peu techniques, on a essayé de détecter ce qui faisait la différence entre deux communes. Les facteurs, alors on ne peut pas tout expliquer, bien entendu c'est des modèles économétriques, on n'explique pas tout, mais on explique quand même une bonne partie de ces écarts. Et ce qui ressort, c'est trois variables principales pour, d'une commune à l'autre, pas avoir le même niveau d'investissement sur le mandat précédent. Un, le poids des subventions reçues. Donc ça a un effet multiplicateur. Une commune qui touche 10 euros par habitant et par an en plus de subventions, quel que soit le financeur, là on les mélange, dans l'étude on les différencie, mais ça vaut pour tous les financeurs, État, région, département, intercommunalité, 10 euros de plus, c'est entre 15 et 17 euros d'investissement supplémentaire par habitant et par an. Donc il y a un effet qui fonctionne de ce soutien. Je ne sais pas dans quel ordre, dans quel sens il fonctionne. Ça fonctionne dans les deux cas. J'ai un projet d'investissement fort, je parviens à mobiliser des subventions, ou alors j'ai des subventions qui se proposent à moi, ça génère et ça provoque même l'investissement. Donc ça, on ne sait pas le mesurer. Et ça marche dans les deux sens, on le sait, parce que ça, c'est nos échanges avec les associations d'élus, je parle sous leur contrôle, on sait que ça fonctionne dans les deux sens. Donc ça, c'est la première variable qui explique des différences notoires entre collectivités. La deuxième variable, c'est la situation financière initiale. C'est-à-dire que la collectivité construit une situation financière positive et favorable, et en prêt enchaîne sur un cycle entier d'investissement élevé, ou plus élevé, disons. Donc ça, c'est important et ça joue. Une traduction de ça qui est très intéressante sur le mandat précédent, si je regarde celles qui ont sous-investi très fortement, donc vraiment je prends toutes celles qui ont vraiment investi très peu sur tout le mandat précédent, elles étaient majoritairement, le constat c'est qu'elles sont majoritaires à améliorer leur situation financière. Donc ce sous-investissement a un objectif, c'est de reconstituer des marges de manœuvre financières. Il y a les trois quarts de ces communes qui ont sous-investi qui ont amélioré leur situation financière. Mais elles étaient majoritairement, enfin pas majoritairement, mais en grand nombre, 44% je crois, dans une situation dégradée de leurs finances au départ. Donc cette situation dégradée a créé le sous-investissement, mais ce sous-investissement a, dans les trois quarts des cas, permis une amélioration de la situation financière. Donc ça permet de rester positif dans des territoires qui ont une situation compliquée à l'instant T. Troisième variable, c'est le stock d'immobilisation. Et là, c'est juste l'idée de dire, alors c'est une variable comptable qui est assez critiquable, mais en tout cas, elle est le reflet du passé. Donc, il y a une dynamique de l'investissement qui est plus fort, là où il y a une culture de l'investissement, où il y a un stock d'équipements existants qui est important. Donc ça joue et les différences. Avec une petite différence notoire, c'est que sur l'ensemble du cycle, ce lien avec le stock d'immobilisation initiale est très fort en début de mandat et s'atténue, voire s'inverse en fin de mandat. Donc c'est le reflet de ce que nous disent les élus, mais qu'on ne démontrait pas dans les chiffres jusqu'ici, enfin, à ma connaissance, hein, peut-être qu'il y a des travaux qui le font, mais enfin, moi je n'avais pas vu, c'est qu'on est bien sur des cycles de rénovation, d'entretien en début de mandat municipal ou intercommunal, et puis après on bascule sur des projets plus nouveaux, parfois là où l'équipement n'existait pas encore. Donc voilà le cycle, comment il se constitue. Mais en tout cas, la culture de l'investissement crée l'investissement, et le stock d'investissement, bien entendu, crée l'investissement. Donc voilà pour les trois variables. Alors, il y a d'autres variables qui jouent sur le niveau d'investissement, le potentiel fiscal, l'effort d'investissement des groupements,
qui joue à l'inverse, c'est-à-dire plus le PCI fait, moins la commune a tendance à faire. Mais l'écart est assez tenu, donc en fait, c'est, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un résultat qui est valable quand même. Le poids des budgets annexes, donc finalement une part des compétences pour certaines communes, là où d'autres compétences sont portées par l'intercommunalité, par exemple, et même pour ces communes de plus de 2000 habitants, une notion de commune touristique, par exemple, hein, qui est un grand classique. Hein. J'ai passé les grands classiques des explications, communes touristiques, montagnes, littorales, etc. On a essayé d'aller au-delà de ces critères-là. Pour conclure, et pour faire, alors vous avez vu que j'ai été très rapide, hein, donc vous m'excuserez si j'étais partiel. L'étude est là, on a laissé quelques exemplaires, pas trop, parce qu'on évite d'imprimer trop, mais quelques exemplaires à la sortie. En conclusion, on a un début de cycle qui préserve les chances d'afficher un cycle d'investissement très favorable. Mais on a une contrainte de prix fort, je ne refais pas tous les débats, qui sera pénalisante et sur les coûts elles-mêmes de la construction ou de la rénovation ou de l'investissement et sur la capacité à générer de l'autofinancement pour ça. Et les coûts de l'énergie, vous en avez parlé, seront un facteur clé de savoir si l'autofinancement que les collectivités pourront mobiliser pour l'investissement, vous avez raison, monsieur le ministre, c'est-à-dire que l'autofinancement génère l'investissement dans les collectivités. Donc pour embarquer le plus grand nombre d'acteurs, ça a été dit par mon voisin, sécuriser la capacité de la collectivité à générer un autofinancement, c'est un signe fort et indispensable. Même si on veut que les collectivités fassent de la dette positive, de la dette utile au sens de la transition écologique, il faudra un autofinancement pour accompagner cet endettement. Et puis de la part des financeurs, je parle de tous les financeurs, que ce soit l'État, les départements et les régions, voir quel type de projets ils ont pour les années qui viennent, puisqu'on a vu que c'était un effet qui fonctionnait bien sur les financeurs. Et puis ça vaut pour les financeurs extérieurs, que sont les prêteurs, par exemple, et les conditions d'accès aux prêts. Après, ne nous voilons pas la face, il y a quelque chose qui a changé par rapport au cycle précédent, c'est qu'il n'y a plus le levier sur la taxe d'habitation. Donc je ne rentre pas sur le débat de la taxe d'habitation elle-même, mais les cycles précédents se construisaient avec cette possibilité d'utilisation du levier de la taxe d'habitation. Il n'existe plus. Et le fait d'avoir substitué le foncier bâti, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce qu'on concentre sur un type de contribuable et que finalement, dans certains territoires, le foncier bâti n'est plus mobilisable, en matière de taux en tout cas, même s'il y a des bonnes nouvelles sur les bases. Donc il y a là, c'est l'incertitude vis-à-vis de l'investissement des collectivités locales. Et enfin, je finis là-dessus, j'ai été un tout petit peu trop long, je m'excuse auprès de... ne stigmatisons pas tout à fait le fonctionnement non plus. D'abord parce qu'il joue sur la transition écologique, notamment la commande publique, et que le fonctionnement, ce n'est pas le fonctionnement des organisations locales, c'est le fonctionnement des services publics. Donc on va beaucoup parler des investissements, c'est très bien et c'est la priorité, mais attention à la stigmatisation du fonctionnement, je pense à l'aide sociale, je pense à la relation aux associations, enfin à tout ce que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Merci à vous. Merci monsieur, ça fera l'objet d'une autre rencontre si vous souhaitez. Peut-être pour compléter ce panorama, je laisse la parole à Franck Valtoux, vous êtes directeur général et fondateur de Stratégie Locale, vous accompagnez beaucoup de collectivités territoriales, y compris dans leur stratégie d'investissement. Je vous laisse partager avec nous votre témoignage en vous remerciant de votre présence ce matin. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Merci de me faire participer à cette journée qui porte sur un sujet qui nous est cher, l'investissement et collectivité. Alors, je vais revenir assez vite sur quelques notions assez simples. Hein. Dans le temps qui nous est donné, j'ai essayé de zoomer sur des éléments qui sont, de mon point de vue, assez saillants et qui est mis en équation assez bien sur la capacité financière des collectivités à engager une dynamique d'investissement plus forte. Ce que je vais vous présenter contribue à démontrer qu'effectivement, la capacité d'investissement des collectivités locales aujourd'hui n'a jamais été aussi importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Hein, donc, elle est. Je vais vous en dire quelques mots. Alors, évidemment, petit préambule, les observations que je vais vous faire portent sur l'ensemble des collectivités locales. Vous l'avez dit, mais je le répète, effectivement, les situations sont très variées. Alors, ce qui pose d'autres questions, c'est-à-dire que je vais parler d'efficacité aussi d'utilisation des deniers publics. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des excédents qui dorment, même si effectivement ils ne dorment pas tous au même endroit. Mais je vais vous en dire deux mots. Ça peut poser la question de la péréquation, ça peut poser la question de la solidarité d'un territoire à l'autre. Bon, ça n'est pas le sujet du jour. En tout état de cause, mon observation sera plutôt globale. Il y a alors trois indicateurs sur lesquels je vais vous donner quelques commentaires et qui seront un peu redondants avec ce que M. le ministre vient d'évoquer. Donc il y a l'autofinancement des collectivités locales qui était, on l'observe tous, à un niveau qui est très élevé.
qui s'est largement reconstitué au lendemain du Covid, à un niveau qui, encore une fois, quand on regarde sur une courbe longue, est très important, qui proportionnellement dans le budget est important, qui proportionnellement dans le financement des investissements, le niveau d'autofinancement est très élevé, vous évoquiez 80% effectivement. On a même, on l'observe en 2021, dernière année définitive connue, un surfinancement de l'investissement, puisqu'on a des budgets locaux qui sont effectivement en excédent de 3 milliards d'euros. Excédent que l'on observe, c'est la deuxième observation sur le niveau de l'endettement des collectivités locales qui reste relativement stable dans le temps, qui reste relativement stable en valeur et qui, surtout, en proportion du budget, s'améliore. Vous l'évoquiez, monsieur le ministre, effectivement, le niveau d'endettement des collectivités locales est très bas. Si on prend cet indicateur de durée de désendettement, on est effectivement à moins de 5 ans, vous l'avez dit, sur les communes et leurs groupements. On est à moins de 3 ans sur les départements. Et on est à moins de 6 ans sur les régions. Alors, 157 milliards d'euros, c'est la valeur de la dette des collectivités locales fin 2021. Si on fait un petit calcul avec 2-3, alors c'est très macro, hein, donc effectivement, je vais m'attirer les foudres des gens qui ne se reconnaîtront pas dans mon propos, mais si on fait un petit calcul assez rapide, si on ajoute 50 milliards d'euros de dette, on a un niveau de désendettement qui est de 6 ans, globalement, sur les collectivités locales. Donc on voit qu'effectivement, il y a un levier de dette qui, vraisemblablement, n'a pas été totalement mobilisé. On peut le regretter quand on sait quels ont été les taux d'intérêt ces dernières années et le niveau qui sont les taux et qui vont être encore annoncés récemment aujourd'hui en hausse. En tout état de cause, bon, il y a une poche de levier qui permettrait de dynamiser l'investissement qui semble assez considérable. Donc un autofinancement qui est disponible, qui est important, qui est robuste et qui s'améliore. Un niveau d'endettement qui semble relativement peu mobilisé, en tout cas qui donne des possibilités, je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour le plaisir de s'endetter, mais en tout cas qui donne des possibilités de mobilisation supplémentaires. Et le troisième point qui est vraisemblablement le plus important pour moi, parce qu'on parle beaucoup d'incertitude quand on parle des finances locales, hein, c'est le mot certainement qui revient le plus dans les discussions, il y a une chose dont on est à peu près certain, c'est la disponibilité, vous l'évoquiez, de la trésorerie des collectivités locales, qui n'est pas tout à fait un phénomène nouveau ou un épiphénomène, c'est en fait un phénomène qui se construit, qui s'est construit sur une longue période, puisque on observe grosso modo depuis plus d'une dizaine d'années des budgets locaux qui sont structurellement excédentaires, qui génèrent donc un effet de stock que l'on lit aujourd'hui dans le niveau de trésorerie des collectivités. Alors, qui est très important, si on considère que les collectivités locales, on est à effectivement 65 milliards d'euros sur les dernières données connues. Si on considère les collectivités locales et leurs satellites, les syndicats, on est à 75 milliards d'euros d'excédent de trésorerie. 75 milliards d'euros qu'il faut rapprocher des niveaux d'investissement, dépenses d'équipement des collectivités, un peu plus de 40 milliards d'euros. Bon, donc on voit bien qu'on est sur des niveaux qui sont assez considérables et surtout qui ne se sont jamais arrêtés de croître. Depuis 10, 12 ans, 13 ans, en 2009, on était à 24 milliards d'euros et je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de rupture ou de difficultés de gestion de trésorerie des collectivités locales à cette époque, on est aujourd'hui passé à 3 fois plus, 75 milliards. Donc ça, c'est quand même une certitude. On ne peut pas dire que cette donnée est incertaine et qu'on a des inquiétudes sur l'avenir. Cette donnée est certaine, elle existe, les disponibilités sont là. Et avec peut-être un élément que l'on ne prend pas assez en considération, Thomas Rougier l'évoquait, c'est qu'on a changé le monde. Le temps se remet à coûter de l'argent. Hein, donc, effectivement, le retour de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt, les deux phénomènes se conjuguent pour, si on considère une inflation entre 5 et 7% et des taux d'intérêt qui vont être entre 3 et 4%, on peut baser le coût du temps aux alentours de 8% sur cette trésorerie, 8 à 10%. 75 milliards d'euros, quand vous faites évaporer effectivement 8%, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la valeur de cette trésorerie sur un an. Alors évidemment, c'est une valeur que l'on ne constate pas dans les budgets, et c'est un peu la difficulté que nous avons sur les stratégies financières des collectivités locales, c'est qu'on parle de budget. Les budgets, c'est une donnée comptable. Hein. Les budgets, c'est ce qu'on a accepté de mettre dans le budget. Mais il y a aussi effectivement des éléments financiers qui rentrent en ligne de compte. L'inflation en est un, les taux d'intérêt aussi. Si on prend ces valeurs, donc sur les seules collectivités locales, en 2022, elles auraient perdu plus de 5 milliards d'euros de valeur financière.
du fait de cet excédent de trésorerie qui est en quelque sorte dormant, et je le rappelle, mais vous l'avez tous en tête, qui n'est pas placé. Si l'on prend les collectivités locales et leurs satellites, c'est plus de 6 milliards d'euros de valeur qui s'évapore. Bon. Donc ça, effectivement, c'est une donnée à prendre en considération, parce que on voit bien qu'on est sur des chiffres et des coûts financiers qui sont vraisemblablement parmi les premiers dans les budgets des collectivités. Alors, je vais conclure rapidement donc, par rapport à ces trois observations donc, qui contribuent, puisque c'était la question qui était posée, hein, comment qualifier la dynamique globale de l'investissement public en France. Quand on regarde effectivement l'autofinancement qui détermine la robustesse des budgets à une capacité à investir, l'endettement qui effectivement laisse penser que l'on pourrait... sur les collectivités qui sont peu endettées, mobiliser un peu plus de dettes si elles souhaitaient dynamiser l'investissement, et sur ce stock disponible qu'il serait important de mettre en dynamique au plus vite, pour plein de raisons politiques sur lesquelles je reviendrai pas, mais en tout cas, ne serait-ce que pour des raisons financières, pour éviter de perdre de la valeur sur un stock aussi important, tout contribue à penser que les collectivités ont aujourd'hui, sur l'investissement, une capacité qui pourrait... Vous parliez du doublement de l'investissement des collectivités. Alors, peut-être pas sur 20 ans, mais enfin, sur quelques années, une année ou deux années, c'est quand on voit ces stocks, cette mise en équation laisse penser que c'est tout à fait envisageable, en tout cas sur le plan financier, d'imaginer un doublement de l'investissement des collectivités locales. Alors, ça pose d'autres questions, mais ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Moi, je me cantonne au sujet financier, mais c'est la faisabilité technique, et ça, évidemment, qui va venir entrechoquer mon propos. Mais, en tout cas, sur le plan strictement financier, il est difficile aujourd'hui de penser qu'on ne pourrait pas faire 40 milliards d'euros de plus d'investissement quand on voit ces données-là, ne serait-ce qu'en mobilisant et en mettant en dynamique ces disponibilités de trésorerie. Et puis je vais finir juste sur un petit commentaire qui est important aussi, c'est que lorsque l'on fait un investissement sur de l'amélioration sur son patrimoine, hein, alors ce qui est vraisemblablement... La Cour des comptes l'a pointé dans son rapport l'année dernière, c'est qu'on a vraisemblablement, entre 2014 et 2020, on a observé une baisse de l'investissement des collectivités locales assez importante. Cette baisse de l'investissement a plutôt impacté l'entretien du patrimoine. Bon. Sauf que l'entretien du patrimoine, ce n'est pas une option. C'est effectivement, l'option, c'est de garder ou de ne pas garder le patrimoine, mais l'option de le garder en bon état, ça n'est pas une option. Donc, ça veut dire que cet arriéré, en quelque sorte, d'investissement, il faudra le réaliser un jour. Il faudra bien remettre en état cet arriéré d'entretien. Et le problème, c'est que plus cet arriéré est long à se mettre en place, plus il coûtera cher pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc ça veut dire qu'on a une dette latente, que la Cour des comptes appelle une dette grise, une dette latente qui n'est encore une fois pas budgétaire, donc on peut continuer à faire semblant de ne pas voir, mais qui existe et qu'il faudra rattraper. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même les moyens à mettre en face. Alors je voulais finir juste sur une chose. Quand on investit, je vous disais, dans l'amélioration de son patrimoine pour produire des économies d'énergie, vous l'évoquiez, eh bien, je le rappelle, et compte tenu des disponibilités des subventions qui sont mises à disposition des collectivités aujourd'hui, quand en investissant le reste à charge, peut-être aux alentours de 50, voire un peu moins, quand on est dans les petites collectivités, sauf qu'à la différence d'une société de projet qui aurait à servir des investisseurs, qui aurait mis des capitaux dans l'opération, pour la collectivité qui fait l'opération, elle garde 100% du bienfait de l'économie. Donc en fait, on est, si on raisonne strictement sur le plan financier, on est sur des opérations qui financièrement sont à l'évidence rentables. Voilà. Donc voilà, en quelques mots, très court, très rapidement, alors peut-être un peu trop, pardonnez-moi, mais les quelques éléments que je voulais mettre en éclairage pour ce débat. Merci. Et pour compléter ce tour de table, je laisse la parole à Ludovic Albert. Vous êtes enseignant-chercheur au LATS, notamment co-auteur d'un rapport récent pour la Caisse des dépôts sur l'investissement public local face au resserrement de la contrainte budgétaire. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, en tant que troisième homme à cette table ronde, pour éclairer le satisfecit sur la reprise d'investissement public local des dernières années, mon propos va s'inscrire dans la moyenne durée qui offre une toute autre lecture. Après trois décennies de hausse régulière de l'investissement lié à la décentralisation essentiellement, succède une quinzaine d'années de stagnation, le niveau record de 2021 peinant à égaler celui des années 2000. Alors, nos recherches, qui associent une dizaine d'universitaires dont certains sont présents dans la salle, fournissent une explication au frein à l'investissement public local. Ce qu'elles identifient, c'est le rôle adverse des politiques de modération budgétaire qui affectent
depuis une quinzaine d'années, l'endettement et les dépenses publiques locales, ainsi que les prélèvements obligatoires, y compris au niveau national, sont autant de politiques qui ont saisi les finances locales de deux manières. Premièrement, les marchés financiers, soucieux du crédit de l'État endetté, ainsi que des politiques européennes qui sont gravées dans les traités successifs, exercent une pression sur l'État central qui, de son côté, en vient à adopter des politiques de consolidation budgétaire et qui les répercute en cascade sur les autres administrations, dont les collectivités locales. Deuxièmement, cet effet de cascade s'ajoute au niveau local à des raisons qui sont propres, qui peuvent être idéologiques, politiques ou professionnelles, mais qui ont toutes pour effet commun d'avoir des exécutifs locaux qui mettent effectivement en œuvre la consolidation budgétaire. Alors certes, cela est réalisé avec une intensité qui est plus ou moins forte et selon des modalités différentes, mais ces politiques sont effectivement à l'œuvre. Les exécutifs locaux opèrent de multiples ajustements fiscalo-financiers qui prennent le dessus sur l'investissement public local. Bien sûr, celui-ci est sanctuarisé dans les discours, et on en a eu encore une illustration ce matin, mais il reste l'une, si ce n'est la principale, des variables d'ajustement en raison de son caractère discrétionnaire. Alors, lorsque nous étudions une phase emblématique de resserrement de la contrainte budgétaire comme celle des années 2010 à 2018, qui passe notamment par un tour de vis sur les dotations globales étatiques aux collectivités, ce qu'on observe, c'est bien, sur une longue durée, une diminution très forte de l'investissement public du bloc communal qui est celui que nous étudions. C'est que les ajustements budgétaires ont des effets, plus ou moins directs et immédiats d'ailleurs, sur les recettes allouées à l'investissement. Par exemple, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, si elle est susceptible de favoriser l'épargne brute, n'en dessert pas moins la mise en œuvre des investissements, faute d'ingénierie et de personnel. C'est un point crucial pour ce débat. Ce que l'on observe, c'est une véritable redéfinition du régime de l'investissement public local ces dernières années. Premièrement, les profils d'investissement des collectivités se déspécialisent, c'est-à-dire que les plus investisseuses semblent jeter l'éponge. Se déploie aussi une uniformisation des modes de financement. Malgré des taux qui étaient attractifs jusqu'alors, on observe que les collectivités les plus emprunteuses lèvent le pied sur l'endettement au profit de l'autofinancement dont on a parlé à l'instant. Enfin, les collectivités locales voient de manière générale leur capacité d'action budgétaire diminuer, ce qui contraste avec les discours volontaristes de mobilisation de la puissance publique pour répondre aux grands défis de ce temps, dont la transition écologique. Alors, cette analyse offre un premier enseignement qui porte sur le décalage entre, d'un côté, les difficultés des administrations locales à conduire des politiques, notamment de transition écologique, faute de capacité budgétaire, et de l'autre, la bonne santé des finances locales, telle qu'on l'aperçoit à travers leur capacité de désendettement ou de leur épargne brute. Ceci s'explique en fait par le passage, bien connu d'ailleurs dans la littérature scientifique, de budgets locaux qui étaient historiquement pilotés dans la finalité de soutenir l'investissement à une autre configuration où le pilotage budgétaire cible désormais ses propres ratios financiers. Le moyen devenant pour ainsi dire la fin et avec pour conséquence que l'investissement public local est cantonné à l'aval de la décision budgétaire, ou de la fabrique des budgets. Un second enseignement qui apparaît avec la comparaison des trajectoires des différentes collectivités, c'est que, bien sûr, le renforcement de la contrainte budgétaire durant ces 15 dernières années n'a pas accru leurs inégalités financières. Par contre, elle ne les a pas réduites non plus, en dépit de l'intensification de la péréquation. Même, nous observons
un nivellement par le bas de leur capacité d'action budgétaire. Alors, les collectivités les plus contraintes financièrement, notamment celles des territoires ruraux peu dynamiques démographiquement ou économiquement, mais aussi certains espaces paupérisés des grandes agglomérations, elles maintiennent peu ou prou leur capacité d'action budgétaire, voire il y a pour certaines un léger rattrapage dans leurs investissements locaux. Mais il faut encore rappeler à ce titre que ce sont les collectivités aux moyens qui sont déjà les plus réduits et que, par hypothèse, ce rattrapage relatif fait face à des besoins importants pour des populations très dépendantes des services publics. Mais pour nombre d'autres collectivités locales, la stabilité de la capacité d'action budgétaire n'est pas du tout la même. De telle sorte que leur modèle de développement local est mis sur la sellette. Je vais en prendre trois exemples très rapidement. Les collectivités qui consacrent de fortes dépenses d'investissement pour soutenir l'orientation économique locale, donc notamment les communes touristiques, parfois certaines communes industrielles, ne parviennent plus à continuer cet effort d'investissement. Il tend à baisser fortement. Dans d'autres territoires où, à l'opposé, la dynamique démographique requiert de nouveaux équipements, on pense par exemple à certaines métropoles, à la fois dans leur cœur et dans leur périphérie, là aussi, elles ont tendance à voir leurs investissements peiner à suivre la cadence démographique. Enfin, il y a tout un ensemble de territoires qui sont dans une situation intermédiaire, avec des collectivités qui sont à la fois trop riches pour bénéficier de la péréquation et qui ne le sont pas assez pour conduire leur budget avec libéralité. Dans ces cas-là, elles opèrent des ajustements fiscalo-financiers tous azimuts qui déstabilisent, quoi qu'il arrive, la production des biens et services publics locaux. En conclusion, l'adoption d'une perspective de moyenne durée révèle des freins à l'investissement public locaux. En 2023, ce n'est pas seulement l'environnement macroéconomique qui va peser sur l'investissement public, l'inflation ou la remontée des taux d'intérêt. Ce que montrent nos recherches, c'est que l'investissement public local est structurellement lesté par des politiques de consolidation budgétaire. Tout en soulignant d'ailleurs les effets très limités de ces politiques en termes d'investissement depuis une quinzaine d'années. Or, il semblerait que le scénario que l'on a observé suite à la crise de 2008 se réécrive sous nos yeux, au moins partiellement, ce qui m'amène à cette question finale. Après la phase de relance post-pandémie, cette fois, la priorité à l'assainissement des comptes publics, qui voudrait en même temps amplifier l'investissement local, ne risque-t-elle pas, comme dans les années 2010, de freiner l'investissement public local et donc le financement de la transition environnementale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu, avec vos trois interventions, des interventions complémentaires avec des éclairages différents sur au moins l'état des lieux, la situation de l'investissement public local et puis ses ressorts. Je vous propose d'ouvrir un temps d'échange sur cette question-là en me tournant vers les élus locaux, du moins les représentants des associations d'élus, et puis avec naturellement les parlementaires présents. Donc je me tourne vers vous et vous laisse intervenir si certains d'entre vous commencent. Monsieur Auberti, pour l'AMF. Bonjour à tous. Et qualités pour prioriser sur le propos et sur cette question essentielle qui est celle des marges de manœuvre en vue de l'investissement local. D'abord, resituer en fait cette année 2023 dans le cadre des mandats, notamment des communes et des intercommunalités, puisque je représente l'Association des maires de France. Nous sommes donc à mi-mandat. Généralement, et cela d'ailleurs a été très bien dit, au moment où les communes souvent reconstituaient les conditions satisfaisantes d'investissement pour qu'elles puissent réaliser leurs projets. Dans les investissements, en général, ce qui est annoncé dans les programmes, ce sont plutôt des investissements visant à améliorer le cadre de vie, les conditions de vie sur un territoire, voire même améliorer les services publics.
la transition écologique vient effectivement aussi, mais souvent dans un deuxième temps, soit parce qu'elle permet d'économiser des charges, soit parce qu'il s'agit d'une conviction fondamentale. Et donc, nous sommes souvent dans les communes, dans un débat entre ce qui relève de cette amélioration et de tenir ses engagements. Vous savez combien pour un politique c'est important. Et en même temps, se dire qu'il va falloir garder un certain nombre de marges de manœuvre pour l'avenir, c'est-à-dire ne pas détériorer donc les finances locales. Or, nous avons un certain nombre de mesures qui ont été prises qui sont de nature à, malgré tout, en 2023, et nous avons un certain nombre de retours d'une enquête, inquiéter les élus. Par exemple, sur le FCTVA, le fait, à un moment, de ne plus avoir un retour tel que nous l'avions par le passé, alors même que cela permettait de pouvoir prévoir des projets, même si, effectivement, la masse étant plus faible, pour autant, elle reviendra plus vite, hein, vous le savez bien. La DGF non indexée sur le coût de la vie fait en fait reporter sur les communes des charges de fonctionnement, dans une dynamique d'encadrement, d'ailleurs, de l'évolution de ces charges, qui a tendance, comme c'est le cas d'ailleurs avec la baisse du levier fiscal, à engager les élus à se donner quelque part des sécurités. Et donc, dans un contexte où la marge nette pourrait baisser du fait de l'inflation, des coûts de l'énergie, des denrées alimentaires, finalement moins consacré à l'investissement local. Et donc, il y a là sans doute une réflexion à conduire, peut-être pour atténuer les effets d'un certain nombre de mesures, j'en oublie pas évidemment les taux d'intérêt, vous l'aurez compris, ou le cas échéant, pourquoi pas, arriver à permettre, en termes de finances locales, peut-être d'ouvrir des lignes de trésorerie pour remettre en jeu effectivement cet argent qui aujourd'hui constitue la sécurité. Donc, sur les finances, en tout cas, en première approche, moi j'aimerais interpeller effectivement l'Assemblée, mais aussi le gouvernement, sur cette question de pouvoir remobiliser finalement les élus sur les investissements productifs, dans un compromis avec les engagements de campagne qu'ils doivent réaliser sur leur mandat. Le temps est court. Hein, vous savez, il nous reste en gros 2 années pleines. Et puis ensuite, à la fin du mandat, on a tendance à se reposer un peu. Et donc, faire en sorte de redonner confiance aux élus locaux et peut-être atténuer les effets d'un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui les contraignent à finalement augmenter leur sécurité. Merci. Monsieur Ossec. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous d'organiser ce type d'échange. On a en effet besoin que le gouvernement, le Parlement et les associations de collectivités échangent continuellement et sur ce sujet de l'investissement public en particulier. Merci aussi à vous, au ministre et aux différents intervenants d'ores et déjà d'avoir bien souligné la grande diversité des situations et c'est un élément qui revient souvent, on l'a évoqué à d'autres auditions précédentes, c'est que on parle souvent de masse et de moyenne et que ça cache une très grande diversité de situations dans nos collectivités. C'est vrai pour les communes, c'est vrai pour les intercommunalités, notamment les départements, les régions étant non plus réduits, c'est probablement un peu moins vrai, même si la diversité parmi les 100 départements français et les 13 régions la vingtaine de régions avec les Outre-mer est aussi réelle. On a eu un certain nombre de données qui ont été évoquées par l'OFGL. On a Interco de France, un baromètre de la commande publique, qui est plus large que l'investissement public. C'est toute la commande publique qu'on fait avec la Banque des Territoires qui confirme globalement aussi un peu le même diagnostic. Avec une nuance quand même dans ce baromètre, c'est qu'on voit ce qui augmente encore le plus dans la commande publique, donc je redis bien, c'est plus large que le seul investissement, c'est tous les services. Et ça traduit aussi un changement dans la nature des dépenses des collectivités, d'aller sur plus de services et parfois de remplacer de l'investissement et de la mise en œuvre de services publics locaux en régie par du service public sous d'autres formes, mais je ne m'y étends pas, on n'a pas trop le temps. Et j'insiste quand même sur cet effet de prix et j'ajouterai un effet de rattrapage. Jacques l'évoquait tout à l'heure, la dynamique d'un mandat local se fait souvent
début de mandat où, notamment dans le bloc local, on avait un moment de où on pose des projets dans les nouvelles équipes et puis on les réalise un peu plus tard. L'effet Covid a évidemment pesé et donc il y a aussi un effet de rattrapage un petit peu de ce qu'on n'a pas pu faire pendant le début du mandat. Ou ce que les équipes sortantes, moi c'est mon troisième mandat de maire, chose qu'on voulait initier après les élections et qu'on a retardé du fait de la situation. Et je pense aussi sur l'analyse du passé, avant d'aller après sur l'avenir, mais il y a une nouveauté, je pense, qui tendanciellement, petit à petit, peut aussi influer sur l'analyse des cycles électoraux. C'est que là où les communes, dans leur grande diversité, a été, je pense, très impactées par ce cycle électoral, parce que moi, je suis maire d'une commune de 4 000 habitants, un peu plus de 4 000 habitants, et le poids de la dynamique des élus locaux pour impulser les investissements est très fort. Là où, dans d'autres échelons plus gros, et c'est notamment le cas dans les intercommunalités, puisque je représente l'intercommunalité de France ce matin, on a des moyens d'ingénierie, des services. Je prends par exemple les politiques de l'eau et de l'assainissement. On fait des PPI, on prévoit des investissements sur le moyen et le long terme, qui sont du coup moins liés au cycle électoral. On aura peut-être une tendance à un peu effacer cet effet de cycle, mais étant aussi investi à l'OFGL, on verra ça dans le temps futur, si oui ou non cette intuition que j'ai se confirme. J'en viens du coup sur un peu les perspectives et ce qu'on peut retenir et comme enseignement pour répondre à l'enjeu de cette matinée. D'abord, il y a évidemment, on l'a dit, l'autofinancement. Le ministre Béchu l'a dit, ça a été identifié aussi dans les déterminants de l'investissement public local, ce sont notre capacité à dégager de l'autofinancement. Et de ce point de vue, l'explosion des coûts d'énergie en 22 et encore plus en 23 était une vraie préoccupation de court terme, espérons-le, mais j'espère pas de long terme. Et donc, dans ma commune, mon aglo, on prépare le DOB, on est en train de faire notre PPI. Qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui dans nos PPI, notamment pour dégager des moyens pour l'investissement, notamment pour la transition écologique, quand on a une inconnue très forte sur les coûts de l'énergie à moyen et long terme? Et ça, c'est un élément sur lequel on a besoin d'être rassuré. Je terminerai tout à l'heure par ça. Autre élément, on a parlé du déterminant qu'est la subvention pour encourager l'investissement, donc subvention de l'État, avec des fonds qui sont importants, notamment le fonds vert qui a été mis sur la table, mais subventions aussi des collectivités, puisque dans l'étude de l'OFGL, on voit que la part de l'État, c'est un quart de mémoire des subventions d'équipement. Donc les trois quarts, c'est entre collectivités, on se subventionne. Et c'est bien ce entre collectivités et la capacité des autres échelons à aider un autre échelon en matière d'investissement public, c'est la capacité justement, par exemple, des départements à dégager de l'autofinancement pour aider le bloc communal, la capacité des intercos à dégager de l'autofinancement pour aider aider les communes, etc. Donc ça rejoint la première remarque que je faisais sur la capacité à dégager des marges. Et donc on a besoin d'être rassurés. Je terminerai par ce message-là. Interco de France, et je suis content que le ministre Béchu l'ait évoqué, on pense que la contractualisation est un moyen important pour engager les collectivités dans l'investissement et les engager de façon la plus rassurante possible. L'État met de l'argent, mais typiquement le fonds vert, la DSIL, la DETR, c'est les enveloppes pour l'année 2023. Je veux bien entendre que l'État va durablement nous accompagner, mais les préfets, notamment sur le fonds vert, qui nous répondent le porte-voix de l'État pour nous dire monsieur le maire, monsieur, madame, le président, la présidente de l'Interco, vous avez tel projet, on va vous accompagner, ils nous répondent pour l'année en cours. Sauf que typiquement, rénover des écoles, monsieur le président, vous l'avez évoqué comme un des exemples, l'administration et le ministre aussi, rénover une école, si on veut rénover une école, on lance le projet aujourd'hui, on va le faire dans 2-3 ans, ou un peu plus vite si on arrive à le faire un peu plus vite. Mais donc on a besoin en fait de savoir qu'est-ce qu'on aura en 2024 ou en 2025 en DETR, en DSIL, en fonds verts. Et donc il faut que nos préfets dans les territoires puissent nous apporter des réponses et qu'à travers la contractualisation, on puisse dire l'État, mais aussi les autres niveaux de collectivité, on vous donne de la visibilité pour ça. Et aujourd'hui, ça manque. Le ministre Béchu l'a dit dans son intervention et j'en suis très, très satisfait. On a besoin de financer les CRTE. Les CRTE, c'est très bien, au moins du point de vue que ça nous a permis d'identifier dans les territoires les projets qui peuvent concourir aux enjeux de transition écologique. Mais quand on fait un inventaire qui est parfois un peu à l'après-vert, sur lequel on ne met pas de financement, ça pourrait ne pas produire d'effet. Donc on a besoin de financer ces contrats. Le ministre a pris cette formule-là, donc j'en suis satisfait. Mais pour moi, c'est impératif. Et ce n'est pas forcément de l'argent en plus,
c'est comment on peut donner de la visibilité dans le temps sur ces moyens de financement. Et donc répondre à cet impératif qui est de rassurer les acteurs locaux pour pouvoir investir, parce que l'investissement, ça s'anticipe sur plusieurs années. Merci. Monsieur Langereau. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Moi, je voudrais, comme mes collègues l'ont dit, d'abord me réjouir du fait que nous avons entendu ce matin qu'il y avait des possibilités et des perspectives importantes en termes d'investissement. Nous sommes face à un mur d'investissement, le ministre l'a dit, mais ce n'est pas ce que je conteste sur le terrain. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'en réalité, il y a des besoins immenses, mais nos marges de manœuvre diminuent. Elle diminue parce que, d'abord, nous avons des besoins en termes de fonctionnement qui augmentent. Et Thomas Rougier l'a dit, il ne faut pas non plus stigmatiser le fonctionnement. Nos collectivités, elles doivent continuer, peut-être plus qu'avant, d'améliorer les services publics du quotidien. Je pense, par exemple, la loi Egalim en matière de restauration scolaire. Je pense à toutes les attentes en matière de sécurité. Je pense à tout ce qui... à toutes les demandes nouvelles en matière de solidarité. Donc, en termes de fonctionnement, nos charges augmentent, qui vont peser sur notre autofinancement. Donc, nos dépenses de fonctionnement augmentent très fortement. Elles vont continuer d'augmenter parce que la crise est là et que les besoins sont de plus en plus importants. Donc, notre autofinancement, dans la réalité, il diminue. Par ailleurs, nos marges de manœuvre, en termes de moyens propres aux collectivités, notamment aux communes, diminuent aussi. On a évoqué, ça a été évoqué aussi par Thomas Rougier, on a perdu le levier fiscal de la taxe d'habitation. On n'a plus qu'un seul levier fiscal, c'est au niveau communal, c'est le foncier, avec des taux qui sont relativement élevés et une situation conjoncturelle qui, en tout cas, aujourd'hui, n'est pas la meilleure. Donc voilà, on a des marges de financement qui diminuent et donc un principe d'incertitude qui devient préoccupant. Donc, on nous dit qu'il faut investir beaucoup. On est tout à fait d'accord là-dessus. Il y a vraiment un enjeu pour rénover nos écoles, construire des pistes cyclables et végétaliser nos villes, puisqu'on est face à cette urgence. Mais des besoins immenses et des marges qui diminuent. Donc, comment faire c'est un peu l'enjeu face auquel on est. Moi, dans ma commune, qui est sous-endettée, qui avait une fiscalité relativement faible, eh bien aujourd'hui, je n'ai pas 80% d'autofinancement. Bien au contraire. Je suis... En début de mandat, on a utilisé le levier fiscal fortement. Nous avons augmenté les tarifs fortement. Et maintenant, on se tourne vers l'endettement. Et le problème de l'endettement, c'est que les taux augmentent de façon considérable. Donc comment faire pour résoudre cette équation ? La seule solution, c'est de se tourner vers des partenaires. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on se transforme en chasseurs de primes. Donc, on va avec nos projets, et on en a beaucoup, vers les régions, vers la région, le département, l'intercommunalité, l'État, à travers tous les fonds divers et variés qui existent. Voilà. Et donc, on se transforme en chasseurs de primes avec une certaine inégalité entre les communes, parce que certains sont capables de porter des projets et d'avoir l'ingénierie nécessaire pour répondre à tous ces appels à projets divers et variés, et les fonds dans tous les sens. Mais il faut quand même une capacité à le faire, et tout le monde n'est pas en mesure d'y arriver aussi facilement. Voilà, donc peut-être ce qui serait intéressant, c'est de donner plus de capacité aux collectivités locales, peut-être de cesser de leur retirer l'autonomie fiscale dont elles ont besoin, et peut-être aussi en matière d'endettement. Je suis assez intéressé par le tiers financeur, parce que ce serait un moyen, en effet, peut-être d'avoir un retour sur investissement, mais il ne faudrait pas que ça pèse sur le niveau de la dette et que ça nous empêche, en effet, de retrouver des marges de manœuvre. Voilà, donc on a une situation un peu paradoxale. J'entends bien ce que disait le ministre, il y a une capacité d'investissement dans ce pays et on pourrait faire en sorte que les collectivités locales investissent beaucoup plus, mais ce n'est pas ce que je constate sur le terrain. Et ce que je constate, c'est que, en réalité, beaucoup de nos marges de manœuvre ont été consommées et qu'on est face à une vraie incertitude sur l'avenir. On doit vraiment faire face à des charges de fonctionnement qu'on n'attendait pas. Et
qu'on n'a pas aujourd'hui en matière d'investissement, une visibilité très forte. Voilà, donc j'entends le discours, mais je ne vois pas nos marges de manœuvre aussi positives. Merci, peut-être Madame Anne-Claire Boux, pour notamment l'association Ville et Banlieue. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Concernant Ville et Banlieue, comme vous le savez, les villes qu'on représente ont un profil très spécifique. Ça a été évoqué par le dernier intervenant. Donc, des territoires avec des quartiers politiques de la ville et des personnes en grande fragilité, des territoires vulnérables à la transition écologique, c'est les personnes les plus exposées quand on parle de précarité énergétique, d'îlots de chaleur, puisqu'on est sur des grands ensembles, d'exposition aux différentes pollutions. Donc, un public très vulnérable, une population très vulnérable qui, avec la double peine qui est celle qui pollue le moins, en particulier, donc une nécessité de pouvoir accélérer la transition écologique dans ces quartiers pour pouvoir protéger ses habitants, et un double enjeu qui est l'enjeu social avec des territoires très jeunes, beaucoup d'équipements publics, beaucoup d'écoles, et donc une nécessité d'entretenir ces équipements publics, que ce soit en termes d'investissement plus important dans l'entretien, et bien entendu, dans la situation actuelle sur la partie fonctionnement, des charges beaucoup plus importantes liées à ces équipements publics. Et donc, toute la difficulté pour nous, c'est à la fois de pouvoir avoir cette confiance, en effet, pour pouvoir investir, sachant que il faut qu'on puisse investir principalement aussi sur nos bâtiments publics et municipaux, puisque demain, en cas de canicule, par exemple, on ne peut pas renvoyer des enfants chez eux dans des logements mal isolés si une école est mal isolée. Donc on a un intérêt aussi dans ces quartiers-là à pouvoir identifier et prioriser la rénovation des bâtiments publics qui accueillent une population sensible, vulnérable, les écoles, les EHPAD et un certain nombre d'autres équipements. C'est pour ça que l'association Ville et Banlieue demande depuis plusieurs mois et qu'on puisse flécher au minimum 20% du fonds vert vers ces territoires de la politique de la ville. Bien entendu, on ne souhaite pas prioriser intégralement ce fonds vert. On sait bien qu'on a aussi des similitudes avec des territoires ruraux qui ont aussi grand besoin de ce fonds vert, notamment pour accélérer la transition écologique. Mais on fait partie de ces quartiers, comme ça a pu être le cas lors du plan de relance, de la nécessité d'avoir à la fois un fléchage du fonds vert et à la fois aussi un accompagnement, puisque ça a été mentionné, les inégalités en termes de capacité à porter l'ingénierie. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on a bien suivi le processus actuel sur le fonds vert, les enveloppes départementales, mais une grande interrogation encore réside sur comment on peut accompagner et flécher ce fonds vert vers les quartiers politiques de la ville. Peut-être aussi, là on sort un peu de la partie investissement, mais quand on parle de confiance, et ça a été évoqué par mon collègue élu, c'est aussi de pouvoir avoir confiance dans notre capacité à boucler les budgets de fonctionnement, et notamment notre inquiétude, on en avait fait part, mais lors du projet de loi de finances, et la décorrélation de la DSU et de la DSR, qui pour nous, est un signe qui est plutôt en affaiblissement de notre confiance à pouvoir boucler ces budgets de fonctionnement. La question de la compensation de l'abattement de la TFPB, qui n'est pas intégrale dans nos communes pour l'instant. Et donc là encore, on a besoin de cette compensation qui permet aux bailleurs sociaux d'améliorer le cadre de vie de leurs locataires. Et peut-être un point pour revenir aussi sur la question de l'urbanisme, du renouvellement urbain. Les territoires de la politique de la ville sont des territoires où on a de nombreux projets de renouvellement urbain, avec aujourd'hui de grosses difficultés à boucler ces opérations. Du fait de l'augmentation des coûts actuels des matières premières. Donc aujourd'hui, on évalue que on observe dans les jurys, dans les appels d'offres, une augmentation de l'ordre de 25%, 30%,
qui fragilise des opérations qui avaient déjà des difficultés à pouvoir être bouclées financièrement. Donc le risque de devoir soit revoir à la baisse ces opérations de renouvellement urbain, alors que ça a été dit, on a besoin aujourd'hui d'accélérer. Donc une grande vigilance de ce point de vue-là et une proposition aussi sur le futur de ces programmes de renouvellement urbain, d'être plus dans une pérennisation au lieu d'être par vagues successives, parce que la problématique, c'est qu'on lance des opérations et qui mettent 10 ans à aboutir, des grandes opérations qui mettent 10 ans à aboutir. Aujourd'hui, on voit qu'en plus, ces opérations qui ont été lancées il y a 10 ans sont plus toujours en phase avec les enjeux de société, notamment concernant la transition écologique, et donc être dans une proposition plutôt d'un ANRU de l'entretien, de la réparation, avec un financement annuel, pluriannuel, plutôt que d'être au coup par coup, puisque quand on arrive à la fin de la mise en œuvre de ces opérations de renouvellement urbain, on a juste à tourner la tête sur les quartiers voisins qui, entre-temps, se sont dégradés alors même qu'ils ont fait déjà l'objet de requalification. Je vous remercie. Merci. Avant de laisser la parole à mes collègues députés, M. Landel, vous vouliez intervenir rapidement. Oui, merci, M. le Président. Merci à toutes et à tous. Juste sur insister sur trois sujets. Un, le sujet, tout le monde l'a dit, de l'autofinancement comme étant la source de la capacité à investir, parce que dans la capacité notamment à emprunter. Et du coup, lorsqu'on regarde la situation globale comme c'est fait, sans regarder la situation individuelle de chacune des collectivités, il y a un petit sujet au moment où on parle d'investissement pour la transition écologique, parce qu'il se trouve que si on observe les choses par strate de collectivité, c'est là où il y a le plus d'investissements à faire que l'autofinancement est le plus bas et a été le plus largement attaqué par les crises précédentes. Je fais référence à notamment le baromètre que publie l'agence France Locale, dont je suis par ailleurs le directeur général, qui montre les choses de façon assez claire. Ça, première chose, l'autofinancement, c'est la base de la capacité à débloquer les emprunts, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut avoir une analyse très fine. Deuxième sujet, l'incertitude. Ça a été dit et répété, et je rebondirai sur les propos de Sébastien. Évidemment qu'il faut qu'on arrive à contractualiser sur du moyen long terme la certitude de financement. Et quand je parle de financement, je ne parle pas de subvention d'investissement. Il faut le dire, le répéter, c'est d'abord l'autofinancement, et donc il faut avoir des garanties de capacité d'investissement, de capacité d'autofinancement sur le moyen long terme. Et tant que pèse l'épée de Damoclès de la loi de programmation avec sa vision jusqu'à présent de modérer les dépenses de fonctionnement sans augmentation des recettes de fonctionnement et donc finalement de peser sur l'autofinancement, on a un problème. Troisième point, la trésorerie. Pour relativiser un certain nombre de choses, 65 milliards ou 75 milliards de trésorerie par rapport à 270 milliards de nos dépenses, c'est 4 mois de trésorerie sur le compte au trésor. Et d'ailleurs, tant que c'est sur le compte au trésor, l'agence France Trésor n'a pas besoin de les emprunter sur les marchés. Et dernier point sur la dette, effectivement, il y a de la capacité à emprunter plus, mais il faut aussi avoir de la capacité à emprunter mieux, et je crois que ça va être le sujet d'une autre table ronde. Merci. Je me tourne vers mes collègues députés, parlementaires. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent intervenir, poser une question ? Lionel Repéro. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, Lionel Royer-Perro, député des Bouches-du-Rhône. Lorsque le ministre est intervenu tout à l'heure, il a notamment évoqué, en ce qui concerne le filet de sécurité, qu'à peu près un cinquième des communes auraient eu recours ou sollicité ce filet de sécurité, ce qui ne manque pas de nous interpeller. Et donc, j'aurais voulu savoir quelles analyses vous en tiriez du fait que, justement, il y ait si peu de communes qui aient eu recours à ce filet de sécurité. Et en même temps, donc, le ministre a aussi laissé entendre que les crédits
qui n'avaient pas été consommées pourraient peut-être être utilement réorientées. Et donc, est-ce que là aussi, vous auriez les uns et les autres des suggestions à nous faire partager? Merci. Merci. Christine Pires-Bonne. Oui, très, très rapidement, d'abord merci à tous pour vos interventions, mais on a parlé indicateurs et des indicateurs financiers, on n'a pas parlé, me semble-t-il, d'un indicateur qui formellement n'existe pas, qui est celui de la confiance. On a le climat des affaires, mais on n'a pas malheureusement de climat d'indicateur sur la confiance pour les collectivités locales. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'en construire un? Ce serait, me semble-t-il, intéressant et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Deuxième point sur l'ingénierie. On a mis beaucoup d'argent, et le gouvernement ces dernières années a mis beaucoup d'argent sur la table, sur l'ingénierie, avec notamment la ANCT et tout ce qui va avec. Par contre, pour le coup, j'ai l'impression qu'on arrive à un stade où, du coup, cette ingénierie a fait qu'on a produit beaucoup de dossiers. Et que le problème aujourd'hui, c'est effectivement le financement de ce qui est sur étagère, si vous me permettez. Et par rapport à ça, je voulais savoir, et ça rejoint le propos de Sébastien Mugnosek tout à l'heure, est-ce que vous constatez une évolution sur les financements croisés? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un repli, par exemple, des départements vis-à-vis des communes ou des régions vis-à-vis des intercos, par exemple? Et enfin, est-ce que l'idée de sortir de l'indicateur de la dette, l'investissement vert, est-ce que pour aboutir à un indicateur autre, est-ce que ça semble jouable? Merci. Merci. J'avais, je crois, Benjamin Saint-Huil qui voulait prendre la parole. Vas-y. Merci. Donc moi, je suis député du Nord et je fus, jusqu'il y a quelques temps, maire et président d'agglomération. Du coup, quelques remarques qui n'ont pas vocation à trancher le sujet parce qu'il est complexe et merci d'avoir organisé ce temps d'échange. Ce matin, on se heurte en fait à la contradiction lointaine entre des indicateurs qui sont nouveaux et qui nous permettent de dire il y a une disponibilité, il y a une hypothèse, il y a un besoin, il faut y aller les gars, et les gars et les dames, et de l'autre côté, les élus qui vous ont tous parlé de la même manière de confiance, Madame Pires-Bonne le disait à l'instant, de sécuriser les collectivités et de nécessité de rassurer. Et c'est vrai que certains ici le diraient plus et mieux que moi, j'aperçois Michel Klopfer, le Big Bang permanent sur les finances locales, qui date de ces 15 dernières années. Hein. On peut parler de la disparition de la TP sous Sarkozy, du redressement des comptes publics sous Hollande, de la TH aujourd'hui, de la CVAE très récemment. Tout ça, ça crée une situation d'incertitude globale qui, pour les élus, est un élément, si je devais le dire en un mot, d'inquiétude et qui stresse les élus. Si, en plus de ça, de cette incertitude, on a un contexte anxiogène lié aux dépenses de fonctionnement, lié à « Ah, l'énergie augmente, on va le prendre plein pot chez nous », le gouvernement, à juste titre, peut dire « On a mis en place un filet de sécurité ». On a même, le président Cazenave le dira peut-être, accepté d'augmenter la DGF, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps, la main sur le cœur, quand même, pour relever. Et c'est vrai, il n'en demeure pas moins que pour les élus, la situation de manière globale est relativement complexe à appréhender. Et puis il y a un élément que personne n'évoque, mais je suis sûr que dans les études sociologiques, ce serait intéressant d'y revenir. Quelle est la croyance globale des élus locaux sur la notion de dette? C'est mal, c'est sale la dette. Et je dis exprès avec ce terme-là parce qu'on parlera d'endettement vert et de comment on fait pour donner de l'ambition et de l'envie. Je crois qu'il faut accepter de dire que sur beaucoup de territoires de France, quand vous êtes dans les conseils municipaux ou dans les conseils d'intercommunalité, les conseils communautaires, vous avez la contradiction républicaine qui vous amène à faire penser que celui qui contracte l'emprunt, il fait peser sur les épaules les générations futures et vous vous rendez pas compte, il y a toujours bien un ratio qu'on vous trouvera pour démontrer que pour les enfants de demain dans telle ou telle commune, c'est inacceptable. Et donc moi je pense qu'il faut, et je le dis particulièrement à l'adresse des représentants des collectivités, il faut qu'on travaille sur la notion de dette
d'endettement et le dire de manière un peu crue, ça n'est pas sale. Il peut y avoir un intérêt à contractualiser l'hypothèse de l'endettement, même s'il y a un dialogue avec les banques, on a parlé des taux d'intérêt, on a dit qu'à un moment donné, ces taux d'intérêt étaient très favorables et que pour autant, ça n'avait pas engagé une dinguerie d'endettement des collectivités publiques parce que, de manière générale, il y a un sentiment d'altération de la confiance. Je veux dire encore deux mots pour dire que je crois que ce qui a été fait sur le CRTE, ça va dans le bon sens, même s'il y a un « mais » terrible qu'évoquait M. Miossec. Oui, ouais, c'est super que enfin l'État central ait dit aux collectivités « chiche, on contractualise, remontez-nous les éléments ». Moi, je fais partie des territoires qui l'ont fait en premier, très bien. Et tout le monde s'est mis autour de la table, on se réunit, on se dit « bon, allez, sérieusement, c'est quoi nos dossiers? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on y va? Il y a un travail de synergie ?» Très bien. Et puis à l'arrivée, une fois que tu as fait la liste, plus ou moins à la Prévert, qu'est-ce que tu mets en face? Si la réponse, c'est on verra. Je te renvoie à la discussion avec l'État. Et puis l'État, pour les élus locaux, c'est le sous-préfet ou le préfet. Et que la visibilité financière, elle est à l'année, forcément, c'est compliqué. Dernier élément, et je m'arrête là parce que j'ai conscience d'être un peu long. Je le dis encore une fois, en ayant été maire à trois reprises, c'est rare, sauf dans les hypothèses de convictions politiques affichées, que les candidats aux élections municipales de 2020, ils aient pris des engagements structurants sur la question de la transition. Et ça n'est que maintenant, que dans ce que nous vivons aujourd'hui, que nous conscientisons collectivement qu'il y a un besoin et une nécessité. Et donc je pense qu'il faut infuser ou diffuser, vous choisirez le terme qui vous convient, pour que dans les perspectives électorales de 2026, au niveau des collectivités locales, ça soit un enjeu essentiel. Parce que aujourd'hui, quand tu dis au maire du coin, tu sais, il y a un fonds vert, il faut aller déposer des dossiers là-dessus, bah, le maire, il regarde ses engagements électoraux, il dit, excuse-moi, ça ne correspond pas forcément à ce que j'ai pris comme engagement. Et moi, je vais d'abord tenir les engagements. Donc là-dessus, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Merci. Il y avait Stella Dupont pour une courte intervention, question. Merci, Monsieur le Président. Alors, très courte, puisque d'autant que ça fait écho tout à fait à ce que notre collègue vient d'exprimer, puisque quand bien même on s'est attaché dans le cadre de l'examen du PLF à soutenir les collectivités, et certains, on a parlé du filet de sécurité, vous venez d'évoquer effectivement à juste titre la DGF, on peut aussi parler de la revalorisation des bases de valeur locative de l'ordre de l'inflation, donc de 7%, alors qu'il y avait des vents contraires quand même, hein, pour revoir et plafonner ce niveau. Donc ce sont des signaux positifs réels, bien entendu, et puis des moyens réels à destination des collectivités. Mais malgré cela, on ressent sur nos territoires bien cette frilosité et cette inquiétude. Donc la question de la confiance qu'évoquait Christine Pires-Beaune, elle est, je pense, un levier fort, en définitive, en matière d'investissement public local. Donc les perspectives, eh bien, il y en a plusieurs. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais je crois qu'il y en a un sujet sur la visibilité des trajectoires et du coup le caractère pluriannuel des dotations, enfin voilà, qu'on puisse s'inscrire dans davantage de visibilité en direction des collectivités, je pense que c'est d'abord tout à fait faisable et que c'est souhaitable pour apporter davantage d'assurance, quand bien même les incertitudes vont demeurer. Enfin, toutes les clés ne sont pas dans la main de l'État et on le sait mieux que personne. Et puis, je crois qu'on a une révolution à conduire. Ça a été dit plus ou moins aussi par les uns et les autres. Moi, je me rappelle très bien, il y a 15 ans maintenant, lorsque, en tant que maire, nous nous sommes engagés dans des travaux de rénovation de nos bâtiments publics et de géothermie, un choix à l'époque qui était extrêmement peu développé, et on a quand même eu à lutter là aussi contre des vents contraires et des réflexions qui nous amenaient immanquablement à choisir du gaz qui était forcément plus économe et plus pertinent pour les collectivités plutôt que de s'aventurer sur un tel mode de chauffage, alors qu'au contraire il fallait non seulement bien sûr penser l'investissement et se projeter sur une perspective d'économie demain, et donc penser l'investissement dans
sur du long terme, en définitive, et mesurer les gains admis à l'avenir. Et donc, avec la transition dans ce contexte de tension sur les énergies, plus que jamais, il faut, et le ministre l'a évoqué tout à l'heure, il faut intégrer de nouveaux indicateurs de façon à ce que cette dette... cette dette verte, en définitive, soit totalement revisitée et change profondément l'état d'esprit des élus locaux, des habitants aussi, de façon à ce qu'on valorise ce type d'investissement beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Merci beaucoup. J'avais noté d'autres demandes de prise de parole. Je vous propose de garder juste vos questions pour la deuxième séquence, juste après, pour qu'on garde le calendrier. Juste en réponse... à notre collègue Lionel Royer-Perrot. On aura une évaluation, d'ailleurs, avec Christine Pires-Bonne. On a suivi la question, notamment du filet de sécurité sur le dispositif, quelle est sa mise en place. Donc, je propose qu'on garde cette question-là pour qu'on aura accès aux éléments. Merci pour vos interventions. Et peut-être une question, notamment un peu précise, de Christine Pires-Bonne, si l'un d'entre vous veut y répondre, notamment sur les dispositifs financement croisé. Il y avait une question un peu précise. Est-ce que l'un d'entre vous, avant que nous attaquions la deuxième table ronde. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ce qu'on a connu sur la période récente, c'est quand même une baisse du côté des départements. Alors c'est lié aussi aux compétences, hein, mais là pour le coup, il y a eu. Ça date de la fin des années 2000, début des années 2010. Là finalement, vous vous souvenez des grands débats sur la situation financière des départements. À partir de ce moment-là, il y a eu une inversion sur les volumes. Donc, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais effectivement, du côté des départements, c'est sûr, il y a une perte. Mais c'est une vraie question, parce que tout à l'heure, je disais l'impact des subventions, ça vaut pour l'État, mais ça vaut aussi pour ce que vont faire les régions et les départements. Donc, dans la visibilité, il y a aussi de ce que pourront faire les régions demain, qui sont pas tout à fait dans la même situation financière qu'il y a une dizaine d'années, et ce que pourront faire les départements en fonction de ce qui leur arrive par ailleurs en matière de dépenses d'action sociale, notamment. Et oui, pour la confiance et l'indicateur de confiance. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on ouvre le deuxième temps de notre échange, autour notamment en rentrant un peu dans le détail des investissements publics locaux à conduire au regard de nos enjeux de la transition écologique. Quelle grande masse financière en jeu? On a commencé à l'évoquer. Quels sont les secteurs d'activité les plus impactés? Comment les collectivités locales doivent ou peuvent faire face à ces grandes transitions? Pour cela, je vais donner la parole à mon collègue Alexandre Holroyd, qui est député, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, qui est par ailleurs un acteur fondamental dans l'accompagnement des collectivités territoriales, auteur d'un rapport en 2020 sur la finance verte. Écoutez, mon cher collègue, je vous laisse la parole pour partager avec nous vos convictions sur le sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir organisé cet échange qui est passionnant. Et merci à tous pour les éclairages de cette dernière table ronde. Alors, comme tous ces exercices, il va y avoir peut-être un peu de répétition sur les masses, puisqu'elles ont déjà été évoquées. Moi ce qui m'interpelle quand on prend le problème d'un point de vue très macro, c'est que, grosso modo, on a une trentaine d'années pour investir autant de ce qu'on a fait, ou en tout cas reconstruire un peu ce qu'on a fait en 130 ans, grosso modo. Si on voit le changement structurel qu'on doit faire à peu près toutes nos infrastructures, toute notre modalité de consommation, de transport, etc. Et ceci, ça sous-entend des dépenses nouvelles, mais ça sous-entend aussi une adaptation profonde des dépenses usuelles, des dépenses qui sont existantes pour l'instant. Et au fond, le problème qu'on a au niveau de l'État, au niveau du particulier, au niveau de la collectivité, il est un peu similaire. Si je reprends une expression que Marc Carnier avait utilisée, c'était la tragédie des horizons, c'est-à-dire, c'est pour un peu en revenir à l'élu qui a pris ses engagements, et ça ne correspond pas tout à fait, c'est que l'horizon est toujours différencié, que ce soit pour le particulier, que ce soit pour l'État, que ce soit pour l'élu local. C'est un peu le même problème qui se retrouve à chaque fois, d'autant plus que ce qu'en bon français on appelle le upfront cost, c'est-à-dire le coût immédiat est tellement élevé que le mur apparaît tellement impossible à franchir que autant repousser un petit peu le délai de temps pour s'y attaquer, puisque ça sera forcément un peu plus facile demain. Si on prend les grosses masses, nous, ce qu'on estime, ou ce qui a été estimé, c'est que c'est 70 à 100 milliards d'euros supplémentaires par an. Jean Pisani-Ferry, qui est d'ailleurs à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, pense à peu près 2,5% du PIB par an
pour arriver à nos engagements en 2030. Et du coup, il était absolument évident que c'était absolument impossible pour que ce soit l'État qui prenne à charge l'intégralité. La réalité, c'est que tous les acteurs, que ce soit les collectivités, le privé et l'État, vont devoir être mis à contribution. Sinon, il n'y a aucun moyen d'y arriver en pratique. Je le pense financièrement, je le pense aussi très, très pratiquement. La réalité, c'est qu'une politique de transition écologique conduite de façon extrêmement centralisée par un État serait prodigieusement inefficace également. Donc il y a un enjeu de où le financement est fait, mais il y a un enjeu de pratiquement où les politiques publiques sont menées et comment elles sont menées. Pour les collectivités territoriales, ce qu'on a, c'est qu'une estimation de passer de 5,5 milliards à peu près d'euros d'investissement à 12 milliards d'euros d'investissement par an, c'est-à-dire à peu près tourner autour de 20% du budget d'investissement des collectivités territoriales en moyenne sur la transition écologique. Et je tiens à dire que pour l'instant, ces 20% ne prennent pas en compte l'adaptation. C'est-à-dire qu'on doit probablement rajouter 10 points en fait, à terme pour que véritablement l'adaptation soit construite dans ce budget avec trois domaines évidemment particuliers, la mobilité, la rénovation thermique, l'efficacité énergétique, les réseaux de chaleur. Grosso modo, c'est les trois très très gros domaines qui nous paraissent évidents. Alors moi, pour moi, il y a trois grandes pistes qu'on doit creuser, qui ont déjà été évoquées d'ailleurs par beaucoup de participants. Le premier, c'est qu'il faut renouer avec la dette longue, et c'est ce que vous évoquez quand vous dites s'endetter, s'endetter mieux. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution financière que de renouer avec une dette longue pour les collectivités, nettement plus longue que ce qui existe aujourd'hui. Et du coup, il convient de faire un travail pour essayer de trouver tout ce qui empêche pour l'instant les collectivités de le faire. Et je pense que tous les freins ont été évoqués ici. Il y a des freins très pratiques financiers. Il y a aussi des freins démocratiques d'engagement. Il y a des freins d'encadrement des règles de l'État. Alors, il faut qu'on se pose la question des règles de comptabilité publique. Est-ce qu'elles doivent être amendées pour essayer de créer les marges de manœuvre pour inciter les collectivités à avancer plus? La question que Christine Pires-Beaune a posée sur la dette verte, est-ce que le fait de créer un outil de dette verte peut différencier la dette et essayer de répondre à cette angoisse que les élus locaux ont vis-à-vis de leurs concitoyens, ce qui est parfaitement légitime, de si je crée de la dette, j'endette les générations futures et c'est mauvais par essence. Ça me paraît deux pistes qu'il faut absolument creuser. La réalité, c'est que quand on parle de rénovation des réseaux d'eau, quand on parle de transformation et de rénovation des écoles, on est en train de parler de projets d'endettement sur 20, 30, 40 ans. Et il est évident que les maturités des prêts doivent être alignées avec cet horizon-là. Le deuxième grand chantier sur lequel il faut travailler, c'est sur les dotations et les subventions, à mon sens. Il faut, ça a été évoqué plusieurs fois, qu'il y ait plus de lisibilité et de prévisibilité. Ça me paraît essentiel. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup en ce qui concerne le privé, mais c'est quelque chose qui vaut parfaitement en ce qui concerne les collectivités qui font des décisions d'investissement idoines. Et il faut, au final, qu'on construise, et je l'avais proposé dans mon rapport d'ailleurs en 2020, qu'on arrive à un monde où on arrive à construire dans les dotations des incitations. Alors, il y a plein de modalités différentes, mais des incitations dans les dotations qui sont prévisibles et qui permettent aux élus locaux de voir et d'avoir à la fois un effet d'incitation et à la fois un effet de prévisibilité sur les années qui suivent, c'est-à-dire probablement avec des obligations croissantes ou avec des incitations croissantes. Après, on peut discuter pendant des heures s'il faut des bonus, des malus, sur quelle modalité précisément, mais il faut que ces dotations évoluent dans ce sens-là, avec une généralisation des méthodes de budgétisation verte, parce que ça sera sans doute un outil essentiel pour arriver à ce que Christine évoquait, c'est-à-dire une dette verte, mais dont la définition est consensuelle, parce qu'on a plein de définitions différentes de ce que peut être une dette verte, et il va falloir qu'on arrive à une méthodologie de calcul qui est assez claire, ce qui est loin d'être une évidence. Et enfin, sur le côté subvention, vu l'état des finances publiques et vu la situation actuelle, celles-ci vont probablement être de plus en plus difficiles à dégager, c'est d'avoir le maximum d'effets levier sur les subventions, c'est-à-dire d'essayer d'optimiser les régimes pour que les subventions soient indexées à la performance énergétique ou à l'ambition climatique de chaque projet. Le troisième et le dernier défi, et j'en arrêterai là, je vais essayer d'être assez bref, pour moi, c'est de réussir un vrai défi qui est de conjuguer la différenciation territoriale de chaque territoire avec une capacité de réseau de bénéficier des expériences qui peuvent être par contre similaires à travers des territoires très différents. Et ça, c'est un enjeu assez fondamental à mon sens. Et ça requiert d'avoir un réseau de compétences qui permet à une collectivité dans une région de bénéficier de l'expérience d'une autre, d'un modèle de financement qu'un autre a essayé, sans que ça soit la communauté voisine. Et ça requiert un outil, que ce soit l'État, que ce soit la Banque des territoires, la Caisse des dépôts, qui arrive à mettre
ou avoir une vue d'ensemble des différents projets et des différentes modalités de structuration des grands projets d'investissement partout sur le territoire. Et ça me paraît particulièrement important parce qu'on a peu parlé d'adaptation climatique. Ça a été évoqué par tous les élus. Il y a des situations financières très différentes dans les collectivités, mais en fait, pour moi, elles sont doubles. C'est qu'il y a d'abord la situation de départ, celle qu'on a évoquée, qui a été beaucoup évoquée, qui est très différente sur les collectivités. Mais la réalité, c'est que le gap avec l'ambition est très différent aussi. C'est-à-dire que la dette écologique que chaque collectivité va avoir va être très, très différente. Une collectivité en montagne va avoir un enjeu d'adaptation qui est bien plus conséquent que certaines autres collectivités. Pareil, une collectivité littorale. Et du coup, il faut regarder non seulement le point de départ de la collectivité, mais aussi quel est le point d'ambition et le point d'arrivée de la collectivité. Parce que si on prend la collectivité qui a le pire point de départ et le pire point d'arrivée, elle a une situation absolument incommensurablement plus difficile qu'une collectivité qui est plutôt entre les deux. Et c'est de jouer et d'arriver à travailler cette différenciation territoriale qui me paraît essentielle, tout en bénéficiant de l'apprentissage de chacun, parce que les modalités de structuration de projet on en parle souvent à la Caisse des dépôts, peuvent être différentes selon les collectivités. Il y a des endroits où ça passera par une commune, il y a des endroits où ça peut passer par un syndicat. Enfin, il y a autant de modèles différents de financement de ces projets que de collectivités. Et il faut trouver à chaque fois la manière la plus intelligente de procéder pour que justement cet endettement qui est concédé à temps long soit le plus efficace possible, ce qui est essentiel si on veut réussir à avoir le genre de somme et à avoir le genre d'efficacité sur l'endettement qu'on crée, qui va être considérable dans les années qui suivent. Merci, Monsieur le Président. Vous avez notamment cité un chiffre qui est revenu plusieurs fois dans la matinée, que l'on doit à I4CE, qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. Morgane, Nicole, vous êtes en charge notamment du programme territoire, et vous travaillez sur notamment l'évaluation du chiffrage des investissements à consentir par les collectivités territoriales, et vous venez de rendre un rapport à fin 2022 justement sur comment les collectivités territoriales financent leurs investissements. Je vous cède la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, en effet, je vais revenir un petit peu en arrière finalement quelles sont quelle estimation on peut faire des besoins de dépenses des collectivités pour atteindre les objectifs de la transition écologique. Alors, on a mené différents travaux sur le sujet. Une première publication qu'on a fait en juin avec une première estimation sur les besoins côté atténuation, c'est-à-dire réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire quand on croise les objectifs qui sont inscrits dans la stratégie nationale bas carbone actuelle avec les compétences obligatoires des collectivités, et je parle bien uniquement des compétences obligatoires, parce qu'il y a par ailleurs d'autres dépenses volontaires qui sont faites par les collectivités, on estime, et c'est vraiment de l'estimation, j'y reviendrai plus tard, qu'aujourd'hui, les collectivités sur les secteurs transport, bâtiment, énergie, investissent environ 5,5 milliards d'euros par an, et qu'il faudrait passer à 12 milliards d'euros par an. Ce qui signifie que uniquement sur ce périmètre, il faudrait que les investissements des collectivités soient augmentés de 6,5 milliards d'euros, soit plus que doublés. Les besoins d'efforts dépendent des types d'actions. Pour être plus concrète sur les actions, il s'agit de rénovation énergétique des bâtiments, il s'agit d'éclairage public, comme en parlait le ministre, il va s'agir de développement des pistes cyclables, un gros besoin, une grosse marche sur le développement des pistes cyclables, le financement du ferroviaire, les TCU, etc. etc. Cette première publication, et c'est un autre point important là-dessus, c'est que c'est un travail de suivre les investissements climat qui sont faits chaque année en France et la différence avec le manque par rapport aux besoins estimés liés à la stratégie nationale bas carbone, c'est un travail qu'on fait depuis longtemps, tous acteurs confondus. Et ce qu'on voit grâce à ce nouveau travail, c'est que les collectivités locales sont peut-être parmi les acteurs les plus en retard en termes de marche à franchir, d'efforts à fournir, d'accélération de ces investissements. Donc c'est un point à avoir en tête.
Donc ça, c'est sur le côté atténuation du changement climatique. Ensuite, comme le disait M. Holroyd, il y a aussi l'adaptation au changement climatique. Et on oublie souvent de parler d'adaptation au changement climatique, mais faire face aux impacts du changement climatique, prévenir les risques économiques et sociaux liés aux impacts du changement climatique, ça va aussi demander des dépenses. Là, les dépenses sont de nature un peu différente parce qu'on a très peu d'investissements nouveaux dédiés à faire pour l'adaptation. En tout cas, ce n'est pas les premières choses à faire. Il y a d'abord besoin de se poser les bonnes questions sur les investissements qu'on fait pour autre chose. En fait, l'adaptation, ça va être de se poser la question des impacts du changement climatique dans les réseaux de transport qu'on va faire, dans les réseaux d'eau d'assainissement, dans les bâtiments qu'on est en train de construire. Et de se poser ces questions-là au bon moment de la conception des projets pour que ces caractéristiques, ces besoins, ces critères soient intégrés dans les cahiers des charges pour qu'on ne vienne pas après coup dire « Ah, mais en fait, on a construit un super nouveau bâtiment en verre BBC, machin, mais avec des grandes surfaces vitrées. » Et puis, en fait, on n'a pas pensé au confort d'été. Et maintenant, il va falloir qu'on rajoute plein de volets, de systèmes pour diminuer la chaleur. Bref, je fais une grosse parenthèse sur l'adaptation au changement climatique parce que c'est important de comprendre que même en termes d'efficacité de la dépense publique et d'efficacité des investissements qui sont faits, il faut le prendre en compte également. La difficulté qu'on a et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sommer les deux sujets, atténuation et adaptation, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de trajectoire d'adaptation en France, et c'est compliqué de faire une trajectoire d'adaptation. Et donc, il y a un certain nombre de choix politiques à prendre, et qu'on, pour l'instant, on n'a pas commencé à discuter sur comment est-ce que, à quel niveau de risque on veut faire face, à quoi on veut s'adapter, et de quelle manière, enfin, quel niveau de risque on accepte finalement. Et puis la deuxième chose, c'est que la distribution des responsabilités entre, notamment côté public, entre État et collectivité, il n'est pas claire non plus encore pour l'instant. Donc on ne peut pas réussir pour l'instant à avoir ce chiffrage. Mais juste pour vous dire que donc c'est plus 6,5 milliards d'euros par an, c'est uniquement sur le côté atténuation. Et il faudrait rajouter là-dessus aussi les dépenses d'adaptation qui seront très, en termes de mise en œuvre, qui pèseront beaucoup sur les collectivités locales, puisque ces impacts sont très locaux, les leviers sont locaux, donc il y aura une bonne partie de ces dépenses qui seront à faire du côté des collectivités. Je passe sur la question des enjeux de financement, puisque c'est maintenant qu'on a regardé qu'est-ce qu'il y avait à dépenser, bien entendu qu'on arrive à la question de comment est-ce qu'on y arrive. Alors là-dessus, bien entendu, on n'a pas de réponse à apporter. Juste revenir un tout petit peu en arrière, juste pour vous dire que sur cette question d'adaptation et du rôle des collectivités dans l'adaptation au changement climatique, on vient de sortir un rapport la semaine dernière, si ça vous intéresse. Sur la question des enjeux de financement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux grands levier à avoir en tête, bien entendu. Il y aura une partie de cet effort d'investissement des collectivités qui viendra nécessairement par une partie de redirection des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement qui sont faites actuellement. Là, derrière, il y a clairement des choix politiques. Il y aura une partie de redirection naturelle parce que certains investissements qu'on fait, qui sont marrons aujourd'hui, deviendront verts entre guillemets assez naturellement, mais c'est assez faible. Donc il y a toute une partie de cette redirection qui sera a priori à faire, qui dépend de choix politiques et sur lequel savoir combien on peut arriver, quelle marge de manœuvre on peut réussir à trouver dans cette redirection. En fait, on ne peut pas le dire, nous, à votre place. Et donc là, c'est un appel aux collectivités, aux associations d'élus, de regarder, en fait, quand on regarde ce qu'on a à mettre à faire comme investissement, à faire comme dépense à moyen, long terme pour atteindre les objectifs climatiques, qu'est-ce qu'on peut réussir à faire, quelle marge de manœuvre on peut réussir à trouver, et comment est-ce qu'on peut... et quel impact budgétaire, in fine, ça va avoir. Donc, finalement, ça revient à faire un espèce de plan de financement, avoir une espèce de trajectoire de financement de ces investissements, de ces dépenses climat.
Et donc ça, ce serait très important, justement, pour objectiver l'impact budgétaire de ce mur d'investissement sur le budget des collectivités. Après, on peut intuiter que tout ne passera pas par une redirection des investissements actuels et qu'il y aura un besoin d'investissement supplémentaire. Et là-dessus se pose la question de comment est-ce qu'on va pouvoir financer ça. Bien entendu, les différents leviers seront à mobiliser ou en tout cas seront mobilisables. Je ne vais pas revenir sur tous les points d'attention qui ont déjà été dits, etc. Mais nous, on voit aussi, enfin, on a quand même, nous, de notre côté, avec notre prisme monomaniaque du climat, une inquiétude sur la dynamique des prochaines années en termes d'investissement climat, vu les problématiques qui se posent, enfin, toutes les questions qui se posent là aujourd'hui en termes d'investissement de manière générale des collectivités, la capacité à accélérer, à multiplier par deux les investissements climat, enfin, c'est une vraie question et on a une vraie inquiétude là-dessus et même une inquiétude à est-ce qu'on va être capable de maintenir le niveau d'investissement climat des collectivités actuelles. Et donc, des points d'attention sur les incertitudes, enfin là sur la question des incertitudes également, sur le lien fort entre le budget de fonctionnement et d'investissement, à la fois pour le côté capacité d'autofinancement, mais aussi parce que, et on n'a peut-être pas encore beaucoup insisté là-dessus, pour que des projets sortent, il faut qu'il y ait des personnes pour lancer ces projets et les suivre derrière, les piloter. Et nous, on entend remonter des collectivités quand même une difficulté à multiplier les dossiers pour des chargés de mission qui restent à nombre constant. Donc c'est aussi un problème. Et puis, une grande question qui est cette question qui a déjà été dite plusieurs fois, de la visibilité à moyen et long terme. Et là-dessus, nous, ce qu'on aimerait bien voir advenir, et c'est vrai au niveau des collectivités, enfin, dans ce débat sur l'investissement des collectivités, mais plus globalement sur la question des investissements climat, c'est qu'on puisse réussir à construire une programmation pluriannuelle des finances publiques pour le climat, qu'on va avoir une nouvelle loi de programmation énergie-climat, une nouvelle stratégie nationale bas carbone, un nouveau PNAC, que face à ça, face à ces objectifs, on soit capable de mettre quels sont les moyens dont on aura besoin de déployer et quels sont les moyens publics qu'il faudra déployer pour y arriver. Merci beaucoup. Et pour terminer cette deuxième table ronde, je laisse la parole à Daniel Florentin, également chercheur au LATS, pour partager notamment les résultats de ses derniers travaux. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis ravi de voir que j'ai pu intégrer le CNRS étant en fait maître de conférence à l'École des mines. Mais rattaché... Pardonnez-moi, c'est corrigé tout de suite, mais si ça peut vous y aider. Alors, je n'ai pas forcément besoin d'aide en la matière. Je vous remercie. Blague à part. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur la question de... Enfin, je suis un chercheur à l'École des mines, travaillant sur les questions d'écologisation des politiques publiques locales et donc à la question des enjeux de l'investissement public local face aux enjeux de la transition écologique. Je voulais insister sur trois points en particulier qui sont trois formes de pistes sur lesquelles investir de façon peut-être un peu décalée par rapport à ce qui a pu être dit par mes collègues précédemment. Le premier point sur lequel je voulais insister, c'est un point qui est souvent un point aveugle ou négligé d'un certain nombre de politiques publiques et des décideurs, c'est un investissement dans des questions de connaissances, dans des questions de connaissances fines, en prenant en compte le temps que cela nécessite pour construire cette connaissance. En gros, pour le dire de façon assez simple, on a des besoins, des besoins de diagnostic sur l'état réel des infrastructures sur lesquelles on veut investir pour le faire de manière pertinente et éviter par exemple de remplacer des canalisations d'eau ou des câbles électriques simplement quand on ouvre la voirie. Des éléments qu'on a pu voir avec un collègue de l'École des mines dans un projet de recherche que nous faisions avec la Caisse des dépôts et consignations sur les questions de gestion patrimoniale. Ce qu'on a pu voir, c'est que en fait, l'idée d'une connaissance qui serait absolument présente et qu'on pourrait activer simplement en pressant sur un bouton reste un rêve d'ingénieur qui ne connaît pas de réalité matérielle et qu'en fait, on a une véritable crise de la connaissance sur une partie de nos infrastructures. Et cette crise de la connaissance, je vous en donne un petit exemple. Dans le cas de l'agglomération de Lorient, pour essayer de
comprendre et d'avoir un état des lieux de l'ensemble, enfin de l'état de l'ensemble des réseaux d'eau, il a fallu 2 ETP pendant 5 ans pour simplement avoir véritablement une connaissance assez fine de la façon dont fonctionnait, de l'état dans lequel fonctionnaient les réseaux d'eau de l'agglomération de Lorient. Ça fonctionne de la même façon sur la partie rénovation du bâtiment. On ne peut pas se lancer dans une stratégie de rénovation si on n'a pas un diagnostic clair, ce qui nécessite en fait un travail dans la dentelle. Ce que je vous disais pour Lorient agglomération, vous pouvez le retrouver dans à peu près tous les territoires que vous connaissez très bien dans vos circonscriptions. À Rouen, par exemple, pour la partie rénovation, s'est mis en place assez récemment un dispositif dit SAM, donc c'est un dispositif d'accompagnement à la maîtrise de l'énergie qui va accompagner directement les ménages pour regarder dans le détail avec eux les possibilités techniques, les possibilités financières du bâti et du ménage. Et donc derrière cela, en fait, le besoin de connaissances nécessite aussi donc un véritable travail, un investissement là-dedans et la compréhension du fait que c'est un travail qui exige aussi du temps et donc des vraies approches socio-techniques qui prennent du temps pour que l'investissement ait du sens. Donc il y a à la fois des urgences, mais aussi un besoin urgent de prendre le temps de le faire correctement. Ce temps, c'est aussi un temps qui permet de sortir d'une logique de l'investissement qui serait pensée uniquement sur de l'équipement nouveau et qui regarderait simplement son amortissement par rapport à son état neuf. C'est là le deuxième point que je voulais évoquer. Investir dans la transition écologique, c'est aussi repenser les modes de comptabilité. Je pense que ça rejoint une partie de ce que vous évoquiez sur le fait de peut-être faire évoluer les modalités comptables et qui sont un héritage de l'après-Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir de façon un peu différente à la manière dont on peut considérer des investissements en réfléchissant en coût complet. Il faut bien avoir en tête que, par exemple, en prenant le cas du bâtiment, la répartition des coûts sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, elle est à peu près la suivante. Vous avez 5% des coûts qui sont liés aux études et à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, 20% qui sont dédiés à la construction en elle-même, et 75% des coûts associés à l'ensemble de la durée de vie du bâtiment sont liés à son exploitation et à sa maintenance. C'est des chiffres qui viennent de l'association Apogée, mais qu'on retrouve à peu près de façon similaire chez la plupart des acteurs du secteur. Ça amène donc à réfléchir autrement sur les formes de dépenses qui sont liées à la transition écologique. On est moins sur une logique d'équipement que sur une logique de maintenance et de gestion de l'existence, qui revient aussi à ce que vous évoquiez, madame, sur les questions d'adaptation et de transformation de la philosophie d'action qu'il faut sans doute mettre en œuvre de ce point de vue-là. Par ailleurs, sur le sujet rénovation, réfléchir en ces termes, ça permet aussi de sortir de l'idée que le neuf est forcément moins cher d'un point de vue économique, alors qu'il a aussi un coût matière et un coût carbone considérable. Ça rappelle aussi à quel point la rénovation et les pratiques de réhabilitation sont un enjeu majeur pour atteindre des formes d'effacement des consommations d'énergie, de limitation des formes d'empreintes matérielles, en d'autres termes, tout ce qui permet de penser la sobriété de manière pertinente. Et pour cela, il faut réfléchir en coût complet, l'adosser à des investissements sur la structuration de filières locales et, de ce point de vue-là aussi, ne pas forcément négliger la partie de fonctionnement qui est associée à ces filières qu'on essaye de développer. Je vous en donne un tout petit exemple, celui de la ville de Malonnet, où dans l'agglomération rouennaise, ils ont pensé la rénovation de leur parc public en coût complet. Ils ont développé à cette occasion aussi, et c'est le point essentiel de leur stratégie, une ambition de sobriété et de baisse de consommation sur l'ensemble de leur parc, puis ensuite de production d'énergie renouvelable sur les bâtiments, qui leur permettent de développer de l'autoconsommation collective, puis à partir de surplus éventuels, d'imaginer des mini-grids et de réinjecter une partie dans le réseau. En 20 ans, ce n'est plus véritablement un investissement à amortir, c'est une forme de quasi-rente qui peut aboutir pour Malonnet à une forme de recette nouvelle. Pour que cela marche, il faut malgré tout un certain nombre de conditions. Une ingénierie en interne et une ingénierie qui n'est pas nécessairement une ingénierie thématique, mais une ingénierie systémique. C'est d'ailleurs ce que revendiquent un certain nombre de réseaux. Vous évoquiez la possibilité de trouver des réseaux pour avoir des formes de retour d'expérience qui ne seraient pas forcément uniquement liées à des spécificités locales qui les prendraient en compte, mais qui auraient une forme de systémicité. C'est notamment ce que développe Malonnet dans le cadre de ce qui s'appelle la fabrique des transitions. Donc ça nécessite une forte ingénierie systémique, une vision stratégique et une volonté politique forte pour évidemment donner corps à tout cela. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais insister. Pour atteindre les objectifs que la France s'est elle-même fixés, comme par exemple via la stratégie nationale bas carbone qui avait été évoquée juste avant, il y a un enjeu RH extrêmement important et qui est
quelque chose qu'il faut aussi bien avoir en tête et qui permet aussi sans doute de repenser les questions de fonctionnement et d'investissement de manière un peu moins séparée que ce qui a pu être fait à certains moments. Investir dans la transition écologique, c'est en fait investir dans de très nombreux ETP dans les collectivités, et ce, assez rapidement. Ça implique très certainement des changements dans la philosophie de ce qui a été pratiqué, au moins depuis une quinzaine d'années, de pression sur les dépenses de fonctionnement et qui ont été déjà rappelées par un certain nombre d'intervenants, que ce soit via les baisses de dotation ou les mécanismes plus récents de contrats dits de Cahors. Au sein de I4C, vous aviez vous-même publié une étude sur ces besoins-là en les chiffrant à une hauteur de 30 000 ETP d'ici 2025. 30 000 ETP pour simplement piloter et animer l'ensemble des politiques climat locales. On n'est même pas en train de parler de leur mise en œuvre technique, simplement sur le pilotage et sur l'animation de ces différentes politiques climat locales. Donc pour avoir une transition ambitieuse, une transition écologique ambitieuse, et en fait pour maintenir l'habitabilité de nos territoires, cela passera nécessairement par un investissement dans la ressource humaine, qui, dans la comptabilité, passe par des dépenses de fonctionnement. C'est en fait tout à fait cohérent avec même un certain nombre de documents. Je le voyais dans un récent rapport de l'AFL et de l'INET de juin 2021, qui disait, je cite, « une accélération des investissements semble logiquement aller de pair et même être précédée par une augmentation des dépenses de fonctionnement sur la fonction environnement ». Voilà pour les trois points sur lesquels je voulais insister. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. De quoi alimenter en effet nos débats. Je me tourne vers les représentants des associations d'élus et peut-être commencer par Nicolas Méry qui nous a rejoint pour l'ADF. Vos réactions et comment envisagez-vous à l'échelle finalement des départements aussi impactés comme toutes les strates de collectivités locales de faire face à ces investissements, de faire face y compris aux difficultés qui ont été mises en avant entre le fonctionnement, l'investissement, les compétences internes, la connaissance. J'ai trouvé votre intervention très importante. Mais au fond, est-ce qu'on sait véritablement quantifier, mesurer les efforts qui sont les nôtres quand on a l'exemple, par exemple, des réseaux d'eau qui nous ont été partagés. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation sur ce sujet. Évidemment, c'est important pour nous tous. Au titre de l'Association des départements de France, je voudrais réagir sur certains points. D'abord, sur la question, évidemment, de la capacité d'investissement. Cela a été évoqué par plusieurs intervenants, disant qu'à la fois, en faisant le constat que les collectivités territoriales n'investissaient pas assez à la hauteur des enjeux, vous l'avez rappelé, Madame, avec le rapport que vous avez produit pour I4C, je voudrais insister sur un point, c'est que, sans doute aussi la question de la sensibilité des investissements en matière de transition écologique par rapport à... au contexte général. Si je prends un exemple pour les départements de France, on a un niveau d'investissement actuel qui est de l'ordre de 10-11 milliards d'euros par an. Mais face à une augmentation des dépenses conjoncturelles du fait de l'inflation, du fait d'un certain nombre de mesures qui ont été décidées par le gouvernement pour pouvoir y faire face, on a un surcoût estimé à 2,5 milliards d'euros par an. Mon intuition, c'est que cette diminution de la capacité d'autofinancement à laquelle nous allons faire face va porter en premier lieu sur des investissements qui vont paraître avoir le moins d'impact à court terme, qui vont être le moins urgent, le plus difficile à mettre en œuvre. Et donc je pense que ça doit nous alerter sur le maintien de la capacité d'investissement des collectivités territoriales, parce que ces investissements dont on ne voit pas les effets immédiats sont peut-être ceux qui seront les plus difficiles à justifier politiquement. Et je crois que c'est un premier élément nécessaire d'alerte. La deuxième chose, c'est de revenir sur la question, alors je vais dire un mot sur l'atténuation et un mot sur l'adaptation qui appelleront peut-être des précisions de la part des experts que vous avez bien voulu inviter aujourd'hui. Sur la question de l'atténuation, il y a évidemment un enjeu sur quels sont les montants que nous sommes prêts à investir pour pouvoir limiter la consommation d'énergie, pour pouvoir investir davantage dans la production d'énergie renouvelable. Et puis la question de la capacité de mise en œuvre. Sur la question des montants, cela a été dit au niveau macro. Je prends un exemple sur un département comme l'Essonne. Nous avons essayé d'identifier quel était le potentiel. Aujourd'hui, nous sommes à 6% de notre consommation d'énergie qui est issue d'énergie renouvelable. Par rapport à l'objectif à 2030 de 33%, nous sommes très en dessous. Et alors, on a regardé ce qu'il était possible de faire en regardant l'ensemble des potentiels raisonnablement mobilisables. Alors,
du photovoltaïque, de la méthanisation, avec bien sûr beaucoup de difficultés de mise en œuvre. À horizon 2030, si on fait le maximum, on peut arriver à peut-être 20%. Je ne suis vraiment, c'est dans un monde idéal. Et ça nécessite un montant d'investissement de l'ordre de 4 milliards d'euros. C'est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui donne une question d'ordre de grandeur. Ce n'est pas que les pouvoirs publics, ce n'est pas que les collectivités territoriales, mais en tout cas, c'est effectivement un mur à franchir qui est très important. Et là-dessus, se pose la question de savoir qui est capable d'agir. Et là, je voudrais alerter sur un point, c'est qu'on entend parfois, et la ministre Espagnol Runacher l'a évoqué récemment sur la question de l'accélération des énergies renouvelables, que les départements ne seraient pas fondés à s'investir sur le sujet parce qu'il n'y a pas de compétences au niveau départemental. Je pense que dans la période actuelle, ce serait une grave erreur de ne pas mobiliser l'ensemble des collectivités qui sont capables de pouvoir intervenir sur le sujet. Je pense d'ailleurs que quand on regarde les territoires qui ont réussi à avancer davantage sur la production d'énergie renouvelable, les territoires où les départements sont saisis du sujet, en général avec la création d'une SEM, par exemple, qui était à la fois un outil de partage de connaissances, d'accompagnement dans le montage de projets et aussi de financement. Il y a des exemples éclairants en Vendée ou en Maine-et-Loire, par exemple. Je pense que ce sont des territoires qui ont réussi à avancer plus vite. Alors, je crois que ça appelle deux réflexions. La première, c'est que sans doute le département est un des échelons qui permet à la fois d'être dans un enjeu d'intérêt général ou de planification aux côtés du préfet, qui a évidemment un rôle clé par rapport à cela, et aussi une proximité avec l'échelon communal, intercommunal, qui est en première ligne pour porter ces projets-là. Mais si je prends par exemple des projets de méthanisation, qui parfois soulèvent des enjeux d'acceptation qui sont compliqués, le fait de ne pas laisser la commune, l'intercommunalité seule face aux oppositions locales, et d'avoir un échelon de proximité, mais d'un cran un peu plus élevé, je crois que ça facilite fortement la mise en œuvre de ces projets. L'autre point, si vous permettez, c'est que nous avons, je rejoins ce qui était dit par tout à l'heure, madame, sur c'était le président Leroy qui l'évoquait sur la différenciation et la nécessité d'avoir un cap commun. On peut avoir un modèle vertical, organisé, un modèle que certains appellent la cathédrale en leur temps, ou un modèle beaucoup plus foisonnant, imparfait, vibrionnant, que certains appellent le bazar. Nous avons la particularité en France d'aimer les modèles organisés. Nous sommes le pays du TGV, d'Ariane, vous le savez aussi bien que moi. Nous sommes dans une période où on ne sait pas encore exactement comment on va trouver toutes les solutions. Il y a une forme de vertige par rapport à l'ensemble des investissements qui doivent être faits. Ma conviction, c'est que dans cette période-là, il faut faciliter l'émergence de beaucoup d'initiatives, quitte à ce qu'il y ait parfois des doublons, quitte à ce qu'il y ait parfois des choses qui se superposent les unes aux autres, mais il vaut mieux qu'il y ait trop d'initiatives plutôt que pas assez. Et donc, je crois que par rapport à cela, l'objectif de clarification des compétences qui était celui de la loi NOTRe était sans doute inadapté par rapport à un champ largement nouveau qui est celui de la transition écologique. Je voudrais dire un mot sur la question de l'adaptation. Et effectivement, c'est un sujet majeur qui se voit peu et qui coûte cher également. Quand il s'agit construire sur une friche pour éviter l'artificialisation des sols, cela coûte. Quand il s'agit réfléchir à la désimperméabilisation de larges parts bâties, que ce soit dans les cours d'école, dans les cours de collège, au titre du département, que ce soit par exemple sur les parkings, cela coûte de l'argent. Et sous ces éléments-là, sont d'autant plus difficiles que, contrairement à la production d'énergie renouvelable, on ne peut pas identifier un gain à un horizon raisonnable. Et ce point-là, effectivement, il faut sans doute trouver des modalités pour réussir à le valoriser. Alors, c'est évoqué, la question de la dette verte, c'est-à-dire à quelles conditions on peut être capable de la rendre, quels critères la rendre légitime. Mais en tout cas, cette question-là me paraît devoir être largement prise en compte parce que cette question des artificialisations est absolument essentielle. Si vous permettez, je vais juste terminer par une anecdote pour rebondir sur ce que disait monsieur sur la question de la connaissance. Et là, partageant plus une expérience en tant que maire, nous construisons une école
Bon, très bien, j'en suis très heureux. Construire une école, c'est toujours très plaisir. Et j'avais indiqué, donc je suis maire de la commune de Brétigny, que je souhaitais que cette nouvelle école soit évidemment en phase avec la question d'adaptation au dérèglement climatique, notamment la question du confort d'été, parce qu'on voit bien que la chaleur devient de plus en plus insupportable avec l'extension des périodes de canicule. On dit très bien, pas de problème. Et puis on présente des chiffres. En regardant, ben voilà, la canicule, il faut pour le confort d'été, on ne soit pas plus de 2% du temps au-dessus de 28 degrés. Très bien. Puis, et une note de bas de page, on pose des questions, on dit non, mais ça c'est notre travail, chacun ses responsabilités. Une note de bas de page, et là il est marqué 2% du temps hors période de canicule. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, monsieur le maire, la difficulté c'est que quand on est en période de canicule, il fait tellement chaud qu'on ne peut pas prendre ça en compte dans nos objectifs. Je dis, mais vous plaisantez? On se fixe un objectif pour savoir qu'est-ce qui va être tenable pour les gens, et on comprend bien que c'est difficile en période de canicule. Mais on ne peut pas, en appliquant cette norme, entre guillemets, bêtement, aboutir à quelque chose qui est absurde du point de vue de nos concitoyens, qui serait de dire, ben voilà, on est attentif au fait que nous n'ayons pas trop chaud, sauf quand il fait trop chaud. Et j'ajoute même, pour continuer sur cet exemple-là, que sur ce même tableau d'estimation, de modélisation, ce qui était indiqué, c'était... Prévision météo, Évry 2002-2008. Très bien, mais Évry, parce que c'est la station météo à côté. Mais 2002-2008, l'école, c'est pour l'avenir. On sait ce qui va se passer. Enfin, il y a des modélisations des règlements climatiques. Et donc, la température va être évidemment plus élevée. Ah oui, mais c'est la norme, on nous a dit qu'il fallait utiliser cela. Je vous raconte ça parce qu'effectivement, cette question de la connaissance qu'évoquait monsieur sur alors, la connaissance des infrastructures, mais c'est aussi une capacité de l'ensemble des acteurs à se poser simplement les bonnes questions. Et là-dessus, on a effectivement aussi besoin d'investir. On a du boulot, manifestement. Est-ce que d'autres représentants d'associations d'élus voulaient réagir à Dizzy ? Sébastien. Pour continuer du coup un peu le propos que j'avais tout à l'heure sur la contractualisation, et pour arriver du coup sur les enjeux de transition écologique, j'ai pas précisé une chose tout à l'heure qui me paraît importante, c'est que je parle au nom d'Interco de France, mais quand je porte la contractualisation, je la porte pour l'ensemble du bloc local. Et c'est important de bien entendre, parce qu'un des défauts du CRTE, Benjamin l'évoquait tout à l'heure, c'est que dans certains endroits, l'animation a pêché un petit peu et c'est devenu, ça n'a pas forcément été un document fédérateur de l'ensemble des acteurs, donc communes, communautés, mais parfois aussi des acteurs privés, associatifs, qui à travers le CRTE peuvent apporter des projets qui contribuent à ces enjeux de transition écologique, et j'arrive là-dessus. Étant représentant ce matin d'Interco de France, je n'étonnerai personne en plaidant pour l'intérêt de l'échelon intercommunal sur ce sujet, parce qu'aujourd'hui, les intercos portent quand même beaucoup de politiques publiques, soit en direct, soit en termes d'animation, qui contribuent aux transitions écologiques. On peut parler des politiques de mobilité, les politiques d'énergie, soit dans la production, mais aussi toutes les politiques de rénovation de l'habitat ou de la question d'économie d'énergie, les questions d'eau et d'assainissement aussi. Et sur l'ensemble de ces sujets, il y a toujours derrière la question de l'ingénierie. L'ingénierie qu'on a évoquée, je crois que c'est Christine tout à l'heure, dans Christine Pires-Bonne qui l'évoquait à l'échelon national, où l'État a remis de l'argent dans l'ingénierie, là où, en réponse à un moment, à une sorte de désengagement de l'État, donc je ne rentre pas dans le détail, monsieur le Président, très bien, mais donc les intercos ont aussi été un lieu, on a réinvesti dans l'ingénierie, mais qui n'est pas la même ingénierie que l'État de toute façon, mais celle que pouvaient parfois faire les DDE à l'époque auprès des communes, mais vraiment pour le faire, la concrétisation très, très fine des projets qui doivent demain concourir à la transition écologique. Donc ce rôle de l'intercommunalité, à mon avis, est un rôle central dans le paysage futur. On a malgré tout besoin de stabilité là aussi. J'en profite pour toucher un mot sur la compétence eau et assainissement. Au vu de ce qui vient de se passer l'été dernier, on a besoin d'affirmer que le calendrier prévu ne va pas bouger et qu'en 2026, les intercommunalités devront toutes être compétentes en matière d'eau et assainissement. Ce n'est pas juste parce qu'on tiendrait un gris-gris par magie. C'est parce que pour être prêt en 2026, il faut commencer à s'y mettre tout de suite pour ceux qui ne sont pas encore compétents. Aujourd'hui, largement plus de la moitié des intercommunalités en France sont compétentes, mais il y en a encore une bonne partie qui ne sont pas compétentes. Certains qui s'organisent, mais d'autres qui attendent peut-être que ça puisse changer encore.
Et pourtant, face aux défis, pour économiser l'eau, on a besoin de s'organiser et les joints intercommunaux peut être une solution. Et puis, je trouve intéressant la suggestion qui a été faite d'une loi de programmation de finances sur les questions climatiques, qui pourrait croiser une revendication de beaucoup d'associations d'élus aussi sur une loi de programmation des finances des collectivités. De croiser les deux exercices pourrait être un beau sujet. Mais au-delà des termes, c'est de regarder comment ensemble on croise ces enjeux avec la capacité toujours à donner de la visibilité. J'y reviens pas, je l'ai déjà dit beaucoup tout à l'heure. Oui, madame. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je vais essayer d'être brève. Deux points. Je voulais rebondir aussi sur l'adéquation des projets prévus par les collectivités qui sont au contact des habitants et qui connaissent les besoins des territoires et les critères, par exemple, les critères évoqués dans le fonds vert. Parfois, quand on voit la liste des critères, on a du mal à faire le lien avec les projets que nous, on veut engager sur le territoire. Donc, cette nécessité de bien mettre les collectivités au cœur de cette transition écologique pour être en phase avec les besoins des territoires. Et un deuxième point qu'on évoque peu, puisque c'est peut-être on est moins sur des budgets d'investissement, quoique c'est la question de l'alimentation. L'alimentation fait pleinement partie de la transition écologique et dans les quartiers populaires, c'est un sujet. On l'a vu pendant la crise Covid, des quartiers populaires, c'est des taux d'obésité multipliés par deux. Et on voit pendant la période Covid des conséquences mortelles que peut avoir ces problèmes de santé, notamment quand on parle de comorbidité. Donc cette question aujourd'hui d'alimentation, c'est aussi un enjeu parce que là, on n'est plus sur des périmètres juste parfois communaux, mais c'est une question de filière qui intègre la coopération entre les différents territoires. Donc un enjeu très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'est même plus sur une question de manger mieux pour les personnes qui sont en situation de fragilité, mais sur un retour d'une très grande précarité alimentaire dans les quartiers populaires. Donc nous, on a un double enjeu. On commençait à se projeter sur l'avenir de comment on donnait accès à alimentation de qualité pour les personnes en situation de vulnérabilité, mais là, on est quand même sur revenu sur l'urgence alimentaire. Merci. Merci. Peut-être une dernière intervention, assez courte, que je puisse donner la parole. Alors, très rapide. Je reviens sur la question de l'ingénierie, et notamment lorsque nous souhaitons mobiliser, en fait, le très local. La question de l'ingénierie financière, pour donner la confiance et la visibilité, est fondamentale. Souvent, l'ingénierie de projet a prédominé, mais la question de la confiance et de l'ingénierie financière, et puis le retour sur investissement. Enfin, prenez le cas, effectivement, des 15% de l'aide aujourd'hui. Il nous faudra calculer l'économie réalisée par l'extinction de l'éclairage public. Je ne pense pas qu'on ait autant de maires écolos qui auront pris cette décision. Mais lorsqu'il y a un retour évident pour les élus locaux, et donc mis en évidence sans doute par cette ingénierie, les élus sont en décision. Par contre, j'aimerais aborder un autre aspect, en rejoignant ce que disait mon collègue des départements, c'est la nécessité à un moment, et peut-être donc sur une loi de finances transition écologique, la nécessité d'avoir des grands plans au niveau national sur un certain nombre de grands sujets. Le ferroviaire. Lorsqu'il s'agit de travailler sur les lignes grande vitesse, on ne regarde plus quelles sont les compétences des différentes strates. J'en veux pour preuve le grand projet Sud-Ouest, où toutes les collectivités sont autour de la table. Je veux parler du plan mobilité douce aussi. Il faut absolument que nous ayons une démarche qui soit, dans ce cas-là, relativement descendante, avec des partenariats très étroits. Il est par contre une question qui, aujourd'hui, a très peu de regard de l'État, c'est la question du trait de côte. Et là, on est dans de l'adaptation, il faut absolument, là aussi, que l'État se prononce sur ce qu'il compte réaliser et accompagner dans les années qui viennent. Je crois que Christophe Béchu est demain, cet après-midi, en Gironde, notamment sur cette question-là. Avant de passer la parole au sénateur Benaroche, qui l'a demandé pour réagir, peut-être dire deux choses. Oui, sur la planification écologique, quand vous dites qu'il nous faut, par grand domaine, associer toutes les forces vives, qu'elles soient locales ou nationales, c'est pleinement le sens de la planification écologique. Et pour répondre à M. Miossec, nous aussi, on regrette qu'il n'y ait pas de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques.
on n'a pas réussi ici à l'Assemblée à trouver encore les voies et moyens de le faire. Ça nous a été encore rappelé par le premier président de la Cour des comptes. On a besoin d'une vision pluriannuelle et on ne pourra pas donner une vision pluriannuelle aux collectivités, enfin dans les relations État-collectivités, si nous-mêmes nous n'avons pas une vision pluriannuelle. Donc il y a un peu urgence à ce que déjà au niveau de l'État et au niveau national, on rentre dans un cadre pluriannuel, ce qui me permet de rappeler l'importance quand même de cette loi de programmation, même si elle n'est pas toujours respectée, elle donne au moins un cadre à chacun. Monsieur le sénateur. Merci, merci de m'accueillir ici. Donc je suis Guy Benaroche, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône du groupe écologiste du Sénat et je suis l'un des vice-présidents de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que beaucoup a été d'une manière très intéressante et c'est vrai que je remercie les experts entre guillemets qui sont intervenus parce qu'en fait ils ont permis de faire une mise en évidence des difficultés qu'il pouvait y avoir aujourd'hui à concilier un discours qui est le discours politique du ministre, que je comprends très bien, et la réalité du terrain qui nous a été exposée par toutes les associations d'élus qui sont ici. Et dans ce cadre-là, deux choses, parce que ça se passe au Sénat et que je voulais aussi en faire part. La première, c'est qu'une mission a démarré hier, une mission d'études de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, sur la transition écologique et les collectivités territoriales. J'en suis l'un des co-rapporteurs, elle a démarré hier, et le principal objet de cette mission n'est pas de redéfinir d'une manière macroéconomique ce qui doit être mis en œuvre financièrement, mais il est de définir aujourd'hui les bonnes pratiques qui existent dans les territoires depuis des années pour certaines, et je ferai juste une petite remarque, certains l'ont dit, elles sont d'autant plus efficaces qu'elles ont été mises en œuvre il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce qu'il y a un certain nombre de communes sur nos territoires qui ont mis en œuvre un certain nombre de politiques de transition environnementale et écologique depuis longtemps. Et on s'aperçoit aujourd'hui, au moment où nous sommes aujourd'hui confrontés à un certain nombre de phénomènes nouveaux, qu'effectivement, ces pratiques-là en permettent aujourd'hui d'avoir des résultats et d'avoir des communes qui sont beaucoup plus protégées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien la crise énergétique que la résilience au changement climatique, que les communes qui ne l'ont pas fait à l'époque, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'y engager maintenant, et ça veut dire aussi, et je pense que c'est le message qu'il faut faire passer à l'État, que tout cela ne pourra commencer qu'au niveau local, que tout cela doit être impulsé localement, et que si l'État n'est pas un accélérateur, mais un frein à la mise en œuvre de politiques qui peuvent se faire au niveau local, nous n'y arriverons pas, et aucun d'entre nous n'y arrivera localement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est la deuxième mission, c'est celle qui a été impulsée par le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a démarré il y a 3 semaines, dont je fais également partie. C'est une mission qui va s'attaquer au problème très important, qui est celui de l'autonomie, vous en avez tous parlé, de l'autonomie, je dis bien de l'autonomie, je ne dis pas de la capacité d'autofinancement, mais de l'autonomie financière et de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales. Si on ne s'attaque pas aujourd'hui à ce problème-là, si on ne le reprend pas et si on ne propose pas, si on ne met pas sur la table un certain nombre de solutions très rapidement, on ne pourra pas arriver à atteindre les objectifs qui ont été définis par le ministre Béchu. Ça nous amènerait effectivement assez loin d'ouvrir le débat sur l'autonomie fiscale et financière ce matin. Je ne dis pas que ce n'est pas un débat. Oui, je vous laisse la parole et puis après, Stéphane Montagne. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Michael Cosson, donc député des Côtes d'Armor depuis le mois de juin et surtout avant maire et vice-président de l'agglomération de Saint-Brieuc. Moi, je voulais alerter sur trois choses et qui ont été dites et qu'il faut peut-être rappeler pour que justement ces enjeux auxquels chacune des collectivités doivent répondre, ils puissent les atteindre, les objectifs. D'une part, en fait, j'ai envie de dire qu'à une époque, lorsqu'il a fallu électrifier les collectivités, nous étions sur des emprunts le temps long. Et s'ils n'avaient pas été exécutés, nous n'en serions pas à réfléchir sur le mode d'éclairage public, mais tout simplement, ils ne seraient pas alimentés aujourd'hui encore. Donc ça, c'est une définition dans laquelle, si on doit répondre à les enjeux, il y a des modes qu'il faut remettre au goût du jour pour que justement on puisse répondre à ces enjeux.
Il y a aussi pour moi une question par rapport à l'endettement des communes. C'est vrai, mon voisin le signalait. Lorsque vous êtes amené à un niveau d'endettement, non seulement vous êtes rattrapé par la minorité, peu importe laquelle qui est en face de chez vous, mais aussi vous êtes rappelé par la DGFiP qui vient vous voir pour vous exécuter, pour vous rappeler qu'il ne faut pas dépasser certaines limites, même si les investissements que vous avez pu réaliser sont des cheminements doux ou justement des rénovations thermiques. Ceci n'est pas regardé, il regarde juste le niveau d'endettement, peu importe ce qui a été fait, et ne regarde pas si ça a permis la diminution des coûts de fonctionnement de la collectivité. Donc ça, c'est une chose. Et la troisième chose, c'est par rapport à l'ingénierie. Moi, je proviens de la DDTM auparavant. Effectivement, il y a eu pendant de très nombreuses années une ingénierie qui était exercée par la DDE auprès des collectivités et qu'il a fallu près de 30 ans avant de retrouver peut-être une ingénierie à l'échelle des agglomérations. Mais avec une difficulté aujourd'hui, ce sont les statuts. J'étais hier avec le président de l'ALEC, qui est donc l'agence locale de l'énergie, qui intervient auprès des collectivités, pour justement, collectivités et particuliers, pour à la fois conseiller les collectivités sur leurs investissements, mais également les particuliers. La plus grande difficulté auquel il est confronté, c'est le turnover, dans le sens où aujourd'hui, ils sont incapables de pouvoir conserver des agents, de par le fait qu'il y a une concurrence folle sur ce domaine de l'énergie et que forcément, lorsque vous avez 24 ans, qu'on vous propose 700 à 800 euros mensuellement sur votre fiche de paye, vous êtes plus tenté, même si vous avez envie de la collectivité, d'aller voir ailleurs. Et justement, cette agence, elle a des grosses difficultés, c'est-à-dire qu'elle est submergée par les appels, mais elle n'a pas la capacité d'avoir l'ingénierie pour pouvoir répondre aux enjeux. Et pour cela, la demande est claire, c'est de savoir comment on fait pour justement que nous ayons des niveaux de salaire qui permettent de pouvoir conserver ces agents qui sont forcément la maille essentielle pour pouvoir répondre aux enjeux des collectivités, mais également de répondre aux difficultés auxquelles particuliers peuvent être confrontés, surtout lorsqu'ils sont à proximité immédiate de toutes les campagnes de publicité qui peuvent arriver par le téléphone, par Internet, par Facebook, par autre, et qui se retrouvent parfois à faire des investissements qui répondent en aucun cas à un enjeu climatique, mais juste à un enjeu financier, cette fois-ci d'entreprises malveillantes. Merci, chers collègues. Nous aurons l'occasion de revenir, notamment dans quelques minutes, pour terminer ces échanges sur la question de l'ingénierie, des offres de services à destination des collectivités territoriales. Stéphane Delautrette. Oui, merci Stéphane Delautrette, député de Haute-Vienne. Dans le prolongement, même si je sais que c'est un sujet qui va être abordé juste après, moi je voudrais revenir sur ce qu'ont évoqué M. Florentin et Sébastien Mioussec, à savoir l'investissement dans l'humain. C'est-à-dire que si l'on souhaite réussir à atteindre les objectifs de transition écologique, il faut aussi accepter l'idée que l'on investisse plus. Et là, ce sont des dépenses de fonctionnement. Et trop souvent, on oublie ce volet-là qui est d'accompagner les collectivités sur leurs besoins d'ingénierie, alors d'ingénierie pour leur propre compte, mais aussi, et le ministre l'a évoqué tout à l'heure, le rôle que jouent les collectivités d'effet levier vis-à-vis des particuliers ou des parties prenantes sur les territoires. Tant que nous opposerons l'investissement aux dépenses de fonctionnement, je pense que nous aurons un problème pour véritablement relever la question de la transition écologique. Autre sujet qui a été évoqué, c'est la question de l'adaptation. On cherche toujours à faire rentrer des projets dans des cases. C'est-à-dire que ce matin, on parle de l'investissement au profit de la transition écologique. Or, un projet de territoire, un projet d'investissement, c'est le collègue qui l'évoquait tout à l'heure, lorsqu'on construit une école, ce n'est pas forcément un projet en faveur de la transition écologique. Par contre, ce qu'il est indispensable de faire, c'est d'intégrer dans la conception de ce projet toutes les composantes de sécurité, de salubrité, de confort, mais aussi la question de la transition écologique. Et tant qu'on cherchera toujours à faire entrer des projets dans les cases, on aura des difficultés à toujours trouver le bon circuit de financement pour accompagner ces projets. Donc ça doit nous renvoyer à cette réflexion de comment on arrive à
utiliser les bons tiroirs pour accompagner les projets. Parce que le casse-tête des élus, pour avoir été maire, pour avoir été président d'intercommunalité, lorsqu'on cherche les financements, c'est de savoir à quelle porte il faut frapper dans la foultitude de dispositifs qui existent et qui fonctionnent trop souvent en silo. Et dernier point, et sur lequel bon, ça a été évoqué par beaucoup d'entre nous, c'est la question de la visibilité. Cette question de la visibilité et de faire retrouver confiance aux élus, elle doit nous interroger. On a toujours une réponse de l'État qui est annuelle. Le fonds vert en est un exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas de projection de ce fonds vert dans le temps. Donc, ce qui fait que si les élus n'ont pas un projet dans le tiroir à sortir dès que le dispositif sort, eh bien, elles n'auront pas forcément la réponse au financement, alors que nous les avons conduites à travailler en projection au travers des CRTE. Ça a été dit par plusieurs autour de la table. Or, le problème de cette programmation qu'on a invité à faire du côté des collectivités, que ce soit dans les CRTE, dans les PPI, il n'y a pas derrière la réponse de financement. Et pour terminer, ça doit nous interroger aussi sur la question de la péréquation. Et je suis désolé de revenir sur la question de l'autonomie fiscale, parce que souvent l'intervention croisée des collectivités, je pense notamment aux départements, c'est qu'elle se fait au titre des solidarités territoriales. Et c'est justement par manque peut-être de la péréquation, elle s'organise quelquefois au sein des territoires parce que l'État ne l'assure pas. Donc c'est une question qu'il faut se reposer, la question de la péréquation et la question de l'autonomie fiscale, parce que c'est quand même le levier que les collectivités pouvaient jusque-là activer. Merci. Il y avait beaucoup d'appétence pour évoquer la question de l'ingénierie, de l'accompagnement des projets. Donc c'est une transition toute trouvée pour aborder le dernier temps dans cet échange. Parce qu'on l'a vu, ça fait partie des freins, d'une certaine manière, pour conduire des projets liés à la rénovation et à la transformation énergétique. Peut-être commencer par Madame Agnès Renner. Vous êtes la directrice générale déléguée de l'ANCT, dont on sait que ça fait partie de ses missions que d'accompagner les territoires dans toute leur transition, dont la transition écologique et énergétique. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Effectivement, on a beaucoup parlé d'ingénierie. Comme on est dans la table ronde qui s'appelle « Comment lever concrètement les freins à l'investissement public dans la transition écologique », l'adverbe « concrètement » est important. Et on a vu que l'ingénierie, c'était le nerf de la guerre, puisque ce sont les compétences dont on a besoin, dont les collectivités ont besoin pour concevoir, piloter, mettre en œuvre les projets. Donc la création de l'ANCT a effectivement été motivée par ce besoin d'ingénierie, pas partout, parce qu'il y a de l'ingénierie dans certains endroits, mais en tout cas de pouvoir combler les manques pour les collectivités qui n'y ont pas accès. Donc l'ANCT, vous le savez, a fêté ses 3 ans. Ça reste un établissement public jeune, mais dont la mission la plus emblématique, celle qui a donc fondé sa création, c'est vraiment ce qu'on appelle l'accompagnement sur mesure, qui est un accompagnement en ingénierie, et dont je voudrais rappeler peut-être de manière assez succincte, mais ça me semble important, le fonctionnement, parce que le fonctionnement de l'agence, c'est une agence nationale, mais dont les délégués territoriaux sont les préfets de département. Et c'est important de rappeler comment les collectivités peuvent accéder à l'ingénierie via l'ANCT. Le fonctionnement du sur-mesure, il est vraiment fondé sur un principe essentiel de subsidiarité. Et jamais l'ANCT n'interviendra au niveau national si l'ingénierie locale existe et peut intervenir. Et donc la porte d'entrée de cette agence, c'est bien le préfet de département ou les délégués territoriaux adjoints qu'il aura pu désigner. Donc les collectivités qui sont en manque d'ingénierie, et bien sûr il y en a, qui n'en ont pas autour d'elles, qui ne peuvent pas accéder à l'agence technique départementale, par exemple, au CAUE, doivent d'abord frapper à la porte du préfet, qui va lui regarder l'ingénierie locale disponible au niveau départemental. Et c'est seulement si l'ingénierie locale n'est pas suffisante, n'est pas disponible, qu'il actionnera, c'est lui qui actionne, le niveau national, qui va essayer de trouver des solutions.
Et ça me paraît important vraiment d'insister là-dessus parce que depuis 3 ans que l'ANCT existe, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de l'ingénierie locale. C'est-à-dire, j'entends bien évidemment les difficultés, je ne sous-estime pas du tout les difficultés qui ont été exprimées et qui existent, mais je pense qu'il y a aussi peut-être, il y avait et il y a peut-être encore une certaine méconnaissance de l'existant, parce que finalement il y a profusion d'acteurs qui ne se connaissent pas forcément, qui ne travaillent pas forcément ensemble. Et donc l'ANCT a eu, au niveau national et au niveau départemental, avec les comités locaux de cohésion territoriale, cet effet positif qui a été de révéler aussi les ressources existantes, de révéler cette ingénierie locale et de se rendre compte qu'il y a certains endroits où il y en a et qui n'ont pas besoin de nous. Et puis, effectivement, il y a des endroits où elle est vraiment insuffisante et où l'ANCT a vraiment un rôle à jouer. Et c'est vraiment essentiel de se dire qu'on intervient toujours en complémentarité de l'ingénierie locale et jamais à la place de... Et vous avez cité tout à l'heure l'exemple de la création d'une SEM. Et c'est l'exemple de choses que les élus, les collectivités territoriales peuvent mettre en place aussi ensemble, créer des outils d'ingénierie qui leur permettent d'acquérir aussi une certaine autonomie. Lorsque cela est possible, évidemment, ce sont des outils à utiliser. Les agences techniques départementales, il n'y en a pas partout, loin de là. Et elles ne font pas toutes les mêmes choses. Elles ont des contenus, des statuts très différents. Mais là où elles existent et là où elles sont performantes, il y a un vrai apport pour les collectivités qui peuvent en bénéficier. Et bien sûr, les agences d'urbanisme et bien sûr les CAUE. Je ne cite évidemment pas tout le monde. Et donc, j'en reviens aux sur-mesures. Lorsque cette ingénierie locale n'est pas suffisante, le niveau national intervient. Et vous le savez, on a un budget d'ingénierie qui est de 20 millions d'euros, qui nous permet de répondre à, sans doute pas à la totalité des demandes, mais enfin globalement à tous ceux qui ont besoin de nous. On répond beaucoup avec des prestations d'ingénierie, puisqu'on a, vous le savez tous, un accord cadre à bon de commande qui nous permet de répondre à différents types de demandes sur le terrain et d'apporter cette expertise dont manquent les collectivités. Depuis les 3 ans de l'agence, on est beaucoup intervenu, ça a été dit tout à l'heure, sur ce qu'on appelle l'ingénierie amont, c'est-à-dire là où on a été le plus sollicité, c'est par des collectivités qui avaient besoin qu'on les aide à faire émerger un projet, qui avaient une idée peut-être un peu floue et qui avaient besoin qu'elle soit retravaillée, formalisée. Et donc l'ANCT se positionne plutôt sur un effet levier évoqué là aussi, parce que l'ingénierie, c'est l'ingénierie amont, mais c'est aussi toutes sortes d'ingénierie. Là aussi, c'est un mot un peu fourre-tout. Donc, pour le moment, l'ANCT intervient davantage sur de l'ingénierie amont. Le fonds vert dont il a été question, qui est déconcentré, hein, ça a été rappelé, les enveloppes sont départementales, ce sont les préfets de département qui ont la main sur le fonds vert, sur ces 2 milliards. Ça montre bien le rôle central du préfet, qui pourra jouer de tous ces leviers, avec sa casquette de délégué territorial de l'ANCT, avec sa casquette d'organisateur, de financeur du fonds vert. Donc il y a vraiment puisqu'on est dans les freins concrets, ou en tout cas les solutions concrètes, c'est vraiment de travailler avec les services déconcentrés de l'État au niveau départemental qui permettent de déclencher l'organisation des projets. Et puis bien sûr, le cadre du CRTE, qui est le cadre dans lequel peuvent s'inscrire la plupart des projets en matière de transition écologique. Le défaut qui avait été relevé des CRTE, c'était le manque de financement. Le ministre le disait tout à l'heure, il faut faire croiser en fait les 2 milliards de fonds verts et les CRTE de manière à pouvoir faire déclencher tous ces projets. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur l'ingénierie qui est proposée par l'ANCT. Et j'insiste vraiment beaucoup sur l'ingénierie locale, mais aussi sur les coopérations entre collectivités. Ce sont aussi des pistes qui peuvent permettre
de travailler sur une ingénierie peut-être innovante. Enfin, il y a beaucoup de pistes sur lesquelles on peut travailler, d'ailleurs en lien avec les élus et avec les préfets, pour trouver d'autres solutions à ce manque d'ingénierie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis le rappel finalement des conditions de mobilisation de l'ANCT. À côté de l'accès à l'ingénierie se pose, on en a beaucoup discuté ce matin, l'accès à des financements. Donc je me tourne vers la Banque des Territoires et Costa Castrinidis, qui est directeur des prêts à la Banque des Territoires, pour aussi repartager quels sont les enjeux, les freins ou pas, les opportunités d'accéder à des financements long terme pour des investissements de long terme, notamment par les offres qui sont les vôtres. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Alors peut-être quelques mots généraux et puis un focus plus particulier sur la question de l'ingénierie financière, mais peut-être rappeler que la Banque des Territoires injecte chaque année près de 14 milliards de financement sur les territoires, de 2 milliards en fonds propres et 12 milliards en prêts, et qu'au cours des dernières années, on a vraiment ressenti le besoin de compléter nos interventions par des interventions à la fois en crédit d'ingénierie pour soutenir aux côtés de l'ANCT les besoins d'ingénierie amont et notamment d'études, mais également pour travailler sur la question des diagnostics techniques sur les grandes infrastructures et les grands enjeux liés à la transformation écologique. Et j'y reviendrai dans mes propos, mais on est assez convaincu que le sujet financier n'est pas aujourd'hui le frein, ou plutôt que frein, je préférerais même parler de besoins des collectivités locales, mais que le travail en amont, notamment pour aider à la prise de décision, pour éclairer la décision d'investissement et pour appuyer les services techniques en charge de ces sujets, est extrêmement essentiel. Et c'est notamment pour ça qu'on a, dans le cadre de la rénovation thermique des bâtiments, développé un outil d'analyse de données qui permet de cartographier la consommation énergétique des bâtiments publics, un outil de place tout à fait gratuit qui s'appelle PrioRéno, que beaucoup aujourd'hui de communes utilisent et qui va probablement au cours de l'année 2023 avoir à peu près 10 000 collectivités en utilisation, et qu'on a fait avec nos partenaires et Enedis et GRDF en l'occurrence. Ce type d'approche de qualification finalement en amont des diagnostics, c'est vraiment une certitude pour nous, c'est une manière de pouvoir accélérer l'appréhension des sujets et de mieux éclairer les décisions d'investissement et de traiter en quelque sorte la question RH qui a été très bien évoquée dans la table ronde précédente. On est en train de travailler à la même approche sur la question de l'eau, justement, puisque aujourd'hui il y a une forte dispersion des données, notamment sur la cartographie des réseaux d'eau, et on est assez convaincu que l'utilisation de la donnée avec plusieurs partenaires et la mise à disposition de ces données gratuitement aux collectivités locales est probablement un enjeu important pour accélérer comme les objectifs climatiques nous le demandent. Donc ça, c'est finalement pour nous le besoin numéro un. Le besoin numéro deux, c'est la question de l'ingénierie financière. Donc là, on a aujourd'hui, j'aimerais insister sur ce point, une boîte à outils sur les territoires qui est déjà assez large et assez complète dans l'état actuel du droit. Évidemment, on a une boîte à outils qui doit être adaptée en fonction des besoins des territoires. Il nous paraît, et ça a été très bien dit dans les différentes interventions, aujourd'hui absolument nécessaire de ne pas plaquer une réponse nationale uniforme, mais de pouvoir mettre cette boîte à outils à disposition des collectivités territoriales pour qu'elles trouvent les réponses qui correspondent à leur gouvernance locale et à leurs besoins. Et cette boîte à outils, elle peut s'appuyer à la fois sur un premier axe qui est celui du levier de la dette et notamment de l'endettement long. C'est un point qui est pour nous assez essentiel. Quand on regarde aujourd'hui le niveau d'investissement des collectivités locales et qu'on le met en regard leur niveau d'endettement, on perçoit, en comparaison avec beaucoup d'autres secteurs d'investissement public, que la dette est finalement assez insuffisamment mobilisée. On est sur une capacité de désendettement
d'endettement, hein, qui est un des ratios clés historiques du sujet, qui aujourd'hui dicte en quelque sorte le regard des différents corps de contrôle et de l'État sur les finances publiques, qui se situe entre 4 et 5 ans en moyenne pour l'ensemble du bloc local, très loin des seuils d'alerte des différentes collectivités locales. Et on a la certitude que le recours à ce levier de l'emprunt de manière un peu plus importante, y compris par rapport aux chiffres qui ont été rappelés tout à l'heure par I4C, finalement, les 6 milliards d'investissements supplémentaires, ça reviendrait à quelques points de CAPDES supplémentaires. C'est vraiment à l'échelle de l'ensemble des finances publiques locales, non pas un mur inatteignable, mais une possibilité qui pourrait être stimulée par le recours à l'emprunt. Mais bien évidemment, comme cela a été dit, cela demanderait de modifier en profondeur un certain nombre de principes et de doxa qui aujourd'hui encadre le regard sur les finances publiques locales et une meilleure sensibilisation à la fois des directions générales des finances publiques, de la direction générale des collectivités locales, des chambres régionales de la Cour des comptes. Et ces évolutions-là, très probablement, pourraient être emportées par la question des budgets verts qui ont été évoqués ce matin. Il nous semble que la manière de mieux appréhender les externalités les positives des investissements, notamment tous les éléments extra-financiers, de mieux reconnaître la dette écologique liée à l'inaction comme partie intégrante d'un budget vert pourrait très certainement être une manière de faire évoluer cette doxa et de permettre un recours à l'emprunt qui ne mette pas en péril d'une certaine manière la perception de bonne santé financière d'un certain nombre de collectivités locales. Il y aura également, je le signale au passage, mais le sujet pour certaines collectivités du regard des agences de notation qui sont très importantes aussi dans la manière dont évidemment l'écosystème financier d'une collectivité locale va regarder leurs comptes publics. Et là aussi, je suis assez convaincu que nous pouvons faire changer ce regard dès lors que on arrivera à mieux valoriser la dette verte et les externalités, et pourquoi pas les intégrer dans des budgets annexes dédiés avec des équivalents de recettes. Quand on regarde le sujet de la rénovation thermique des bâtiments, on voit bien qu'il y a sur le long terme des gains, des économies qui sont générées, et la capacité de les mettre en regard finalement des investissements permettrait d'avoir une approche plus équilibrée de ces investissements et d'une certaine manière de dérisquer le regard des organes de l'écosystème et des corps de contrôle. Au-delà de ce levier de la dette, nous, on est également assez convaincus que des outils territoriaux mutualisés sont aujourd'hui porteurs de beaucoup de valeurs sur les territoires. Je pense aux syndicats d'énergie, je pense à des SPL qui interviennent par exemple sur la rénovation thermique des bâtiments et qui ont permis par à la fois une mutualisation de l'ingénierie amont et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais également par une mutualisation des financements, d'apporter une accélération, une simplification et d'aider notamment les petites collectivités, les petites communes, par exemple, qui parfois ont moins cette capacité d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'ingénierie financière pour se lancer dans une massification de la rénovation thermique, comme nous y invite aujourd'hui la stratégie nationale bas carbone. Et bien évidemment, si on est tout à fait complet sur les différents outils d'ingénierie financière, il y a l'autofinancement, les dotations, les subventions, le levier de l'emprunt, la capacité de s'adosser à des structures mutualisées. Et il y a également la possibilité de mieux travailler avec le secteur privé à travers des approches soit de tiers financement ou de partenariats avec le secteur privé, qui ont pu par le passé présenter un certain nombre de limites, mais qui, quand il s'agit de massifier des investissements qui ont une certaine complexité technique,
peut être un levier intéressant et les discussions en cours, notamment dans le cadre du projet de loi qui porte sur le tiers financement, devraient permettre là aussi de remettre au goût du jour ce type de partenariat public-privé, non pas en déconsolidant les investissements, ça on sait que le cadre actuel aujourd'hui budgétaire et comptable ne le permet plus, mais finalement en lissant les paiements dans le temps et finalement en permettant de rendre ces investissements plus supportables en termes budgétaires et surtout en termes de trésorerie. Donc voilà peut-être en synthèse du côté de la Banque des Territoires, quel est notre regard, c'est que il faut vraiment continuer à travailler sur cette ingénierie amont plutôt technique, et on pense que des outils innovants, notamment en matière d'intelligence artificielle et de data, peuvent être un levier, et ça demande une mobilisation des partenaires, et ça demande que ces outils soient des outils de politique publique, et particulièrement gratuits, j'insiste sur ce point, mis à la disposition finalement des sachants sur les territoires, et également de mieux mettre en lumière la boîte à outils qui est assez complète, qui existe aujourd'hui en matière d'ingénierie financière. Et c'est vrai que, ça, je rejoins des propos précédents, le fait de créer des programmes thématique, un plan sur l'eau, un plan sur la rénovation des écoles, un plan sur la mobilité douce, c'est très utile parce que ça permet de marier une boîte à outils nationale et de la mettre en lumière, de mieux partager des pratiques et évidemment ensuite de donner les clés aux collectivités locales qui vont être en situation de mettre en œuvre. Et c'est ce type de démarche de politique publique que nous sommes en train de soutenir et que nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup. Et pour terminer ce tour de table, Michel Klopfer, je vous cède la parole, sans avoir besoin de vous présenter, je crois. Merci, Monsieur le Président. Je me sens d'autant plus concerné par ce sujet sur la dette verte que j'ai eu l'occasion, il y a déjà plusieurs décennies, de proposer des indicateurs de solvabilité, et que je pense qu'ici, personne n'attend de moi que je jette ces outils au panier, ne serait-ce que parce que j'ai été confronté d'abord à des cas de surendettement de communes, et il y en a encore aujourd'hui, même s'il y en a moins que lors de la décennie 90, et j'ai pu constater que les banques, qui sont évidemment toujours très dynamiques pour aller au-delà de 15 ans lorsque la solvabilité du client est excellente, hein, on prête aux riches, et donc de prêter sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, parfois même plus, sont évidemment beaucoup moins enclines à le faire lorsque la situation est défavorable. Et j'ai en mémoire des cas de villes du Midi qui, dans des situations comme celle-là, ne se voyaient plus proposer que des refinancements sur 2 ans. Et ça, je dirais, ça ne risque pas de cesser, ne serait-ce aussi que parce que chacun sait que la situation des finances publiques nationales est loin d'être saine, que les collectivités locales sont des entités subsouveraines qui emprunteront toujours plus cher que ne le fait l'État, et que, bien entendu, lorsque le spread, la différence de taux entre l'OAT et le Bund allemand s'accroît, ça augmente aussi les conditions de financement qui vont s'appliquer aux collectivités locales. Alors, il ne s'agit pas du tout de dire qu'on ne peut rien faire, mais simplement peut-être de réfléchir à un certain nombre de curseurs de nature financière, de nature budgétaire, de nature juridique, qui pourraient évoluer de manière à favoriser ces investissements dans la transition écologique et qui, par conséquent, pourraient non pas mettre à bas les critères de solvabilité, mais en tout état de cause, les pondérer. Je note d'ailleurs au passage que dans les projets de loi de programmation, plus exactement la loi de programmation 2017-2018-2022 qui a été votée et appliquée au moins jusqu'au Covid, et dans le projet de loi de programmation 2022-2027, qui certes n'a pas prospéré, mais peut-être signalé qu'on allait probablement trop loin sur certains points, que ce qu'on appelle les administrations publiques locales, dont les collectivités représentent aujourd'hui à peu près 90% des budgets, s'était vu prescrire une évolution, non pas uniquement sur le fonctionnement, mais sur le fonctionnement plus l'investissement,
de inflation moins 0,5%, et que c'était peut-être contre-productif de l'imaginer, et que par ailleurs, s'agissant de la capacité de désendettement, il a été prescrit dans la précédente loi de programmation et dans le projet de loi de programmation 2022-2027 de limiter le bloc communal à 12 ans, les départements à 10 ans et les régions à 9 ans, ce qui peut-être là allait probablement trop loin. Je voudrais d'ailleurs sur ce plan observer que les 15 ans ne sont pas un dogme absolu. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, en faisant des formations à Luxembourg pour la Banque européenne d'investissement, d'échanger avec eux. Quand on prend un syndicat de transport, un syndicat intercommunal, il est tout à fait légitime d'aller jusqu'à une capacité de désendettement de 20 ans en pointe, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on a inauguré une ligne de tramway, on ne va pas recommencer à investir immédiatement pour une suivante, et qu'on fera du gros entretien, mais que la suivante continuera. Si je prends maintenant des organismes, des offices de l'habitat, la norme, elle est plutôt à 30 ans, et non pas à 15 ans de capacité de désendettement. Et d'ailleurs, si vous regardez les ratios publiés sur le sujet, on est à une moyenne pour les offices de l'habitat de 24 à 25 ans. Et si on prend, bien entendu, des budgets annexes d'eau et d'assainissement sur lesquels la durée d'amortissement sont de 40 ou de 50 ans, on admet aussi des durées de désendettement qui sont beaucoup plus longues. Alors, on pourrait se poser la question de savoir si un certain nombre d'investissements de nature verte ne pourraient pas être logés dans des syndicats mixtes ou des groupements d'intérêt public qui auraient donc une autonomie budgétaire et morale, et qui, par conséquent, pouvant argumenter de ce qu'on appelle couramment un taux de rentabilité interne, pourraient parfaitement emprunter sur des durées beaucoup plus longues et également admettre des ratios de solvabilité beaucoup plus longs. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être un moyen de procéder. Je voudrais également évoquer un autre point qui est celui de l'amortissement. L'amortissement technique, cette fois-ci, et pas uniquement financier. Lorsque l'on est en présence d'entreprises, on va leur permettre de faire de l'amortissement dégressif pour des raisons fiscales. Évidemment, dans le cas d'une collectivité où il n'y a pas de fiscalité, on n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, c'est exactement le contraire qu'il faut envisager. C'est-à-dire, c'est d'allonger les durées d'amortissement technique pour pouvoir passer plus facilement les projets, voire même de faire de l'amortissement progressif. Je prends d'ailleurs comme exemple, parce que j'ai pu constater que les services de l'État étaient finalement relativement ouverts à la question. Il se trouve, et je peux en parler, il y a maintenant, ça fait un peu plus de 15 ans, en 2007, j'étais allé trouver la DGCL et la DGFiP, pour, au nom d'ailleurs d'un département dont je peux citer sans difficulté, qui était le département du Doubs, qui était le plus gros contributeur au financement de la ligne LGV Rhin-Rhône. Je ne parle pas de la région à l'époque Franche-Comté, qui, elle, évidemment, n'était pas obligée d'amortir. Et j'ai dit à la DGFiP, écoutez, c'est totalement anormal que vous leur imposiez d'amortir les fonds de concours à Réseau Ferré de France, enfin bon, ce qu'on appelle aujourd'hui SNCF Réseau, sur 15 ans, alors que la société Eiffage, qui a construit le viaduc de Millau, elle peut amortir sur 75 ans. Et par conséquent, c'est certainement une piste de solution qui peut être imaginée pour pouvoir passer un certain nombre de projets. J'en cite également une autre qui est peut-être un peu plus technique, qui est le fait, alors c'est un article du CGCT, le D2311-14, qui ne permet de rapatrier en fonctionnement des recettes d'investissement que dans des conditions extrêmement contraignantes. Hein, c'est le fameux compte 1068. On pourrait parfaitement imaginer que pour des investissements verts, on permette également de le faire, ce qui permettrait de payer avec des ressources qui viennent de la section d'investissement des frais financiers liés à des investissements de transition écologique sans dégrader en quelque sorte les ratios. J'ajoute également, puisqu'on a parlé de gestion de trésorerie et qu'il y a aujourd'hui 65 milliards sur le compte au trésor, voire même 75 si on prend le secteur public local au sens large, il y avait eu dans le temps des mesures qui avaient été prises qui permettaient des produits revolving que les banques ont arrêté de mettre en place en 2008-2009 suite aux événements de la crise économique de l'époque, on pourrait parfaitement imaginer que des mesures soient prises permettant des remboursements d'emprunts de 31 décembre entre le 31 décembre et le 2 janvier. Je rappelle que ces 75 milliards de comptes au Trésor, ça génère, en imaginant aujourd'hui un taux d'intérêt moyen de 3%, ce qui est un minimum,
ça génère 2 milliards de pertes d'autofinancement et par conséquent 20 à 30 milliards de manque à réaliser d'investissement. Donc ça, c'est également un point qui pourrait être parfaitement modifié. Et j'en viens sur le plan de l'investissement d'un autre aspect, qui est le fait que sur les partenariats publics-privés, dont on a dit beaucoup de mal, et parfois d'ailleurs à raison, parce qu'ils sont pénalisés par le fait qu'il y a de la TVA sur les frais financiers, on pourrait parfaitement imaginer que les frais financiers sur des investissements verts réalisés en partenariat public-privé donnent lieu à éligibilité au FCTVA. Après tout, on a déjà allégé les règles sur l'éligibilité au FCTVA puisqu'on a introduit les investissements et plus exactement l'entretien sur la voirie et les bâtiments. Donc ça pourrait être également une piste de solution. Comme je ne voudrais pas être trop long, je voudrais peut-être juste donner quelques autres pistes, mais qui là sont peut-être pour favoriser les investissements des collectivités en matière de transition écologique. C'est la question par exemple d'une orientation de la péréquation, qu'elle soit verticale ou horizontale, également sur des critères écologiques. Il se trouve que cette question avait été évoquée avec Régions de France lorsqu'il y a maintenant un peu moins de 2 ans, c'était au printemps 2021, ils m'avaient demandé de réfléchir avec eux sur la refonte de leur système de péréquation. Certaines régions avaient envisagé des critères. Ils n'ont finalement pas été retenus parce que c'est l'État qui a repris la main à l'automne suivant pour fixer les conditions de modification des indicateurs de péréquation des régions suite à la disparition de la CVE qui nécessitait de refondre complètement le système. Mais c'est également une piste à imaginer. Et je voudrais en venir sur un dernier point. Pardonnez-moi, il est un petit peu annexe par rapport à ce qui nous occupe, mais je m'autorise à le faire en tant que citoyen qui a toujours été choqué d'une distorsion qui est totalement anti-écologique. Et je me permets d'en parler parce qu'aujourd'hui, même si c'est un sujet d'État, et je veux parler de la TVA, où chacun sait que les collectivités aujourd'hui perçoivent plus de 25% de la TVA qui est levée en France, puisqu'elles vont en avoir 53,5 milliards. Beaucoup de gens savent aujourd'hui que les assujettis à la TVA ne peuvent pas récupérer la taxe qu'ils ont acquittée sur leurs dépenses de transport. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas une entreprise de transport et que vous prenez le train, même si vous êtes assujetti à la TVA, vous ne pouvez pas récupérer la taxe que vous avez payée à la SNCF. En revanche, et c'est là où il y a cette distorsion anti-écologique, eh bien, il se trouve que les dépenses de péage, que les dépenses de parking et même les dépenses de carburant, que ce soit le sans-plomb 95 ou même le diesel, sont récupérables à 80%. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être modifié parce qu'aujourd'hui, on incite davantage les assujettis à la TVA à utiliser leurs véhicules plutôt que des moyens de transport en commun. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long, mais je pense qu'il y aura certainement des sujets de discussion sur ces différents points. C'était passionnant et puis par ailleurs très, très concret, puis c'était aussi l'objectif de trouver des leviers à actionner. Je vous remercie. Donc, j'ouvre le dernier temps d'échange avant de clôturer ces premières rencontres et propose à celles et ceux qui souhaitent intervenir de se signaler. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais réagir. Je trouve très intéressantes les propositions de Michel Klopfer, mais je voulais un peu, à la fin de ce débat, regarder un peu quels pouvaient être nos leviers en termes d'investissement. On a parlé de l'autofinancement. Je pense qu'il est durablement en baisse pour les raisons qu'on a évoquées, pression sur le fonctionnement, augmentation de l'énergie, etc. Les subventions, celles que les collectivités peuvent attendre, notamment les communes, le bloc communal vis-à-vis de la part des régions, des départements et de l'État, elles sont elles aussi, vu l'état des finances publiques et vu les besoins auxquels vont être confrontés les départements et les régions, elles seront en baisse. La dette, on en a parlé, même si on peut prêter long, ça pèse quand même sur nos charges de fonctionnement, puisque les intérêts augmentent et pèsent durablement sur le fonctionnement. Donc c'est peut-être une solution. J'entends qu'il y a des aménagements possibles, qu'on peut peut-être loger une partie de la dette verte ailleurs, mais néanmoins, ce n'est pas la solution magique. Il y a un quatrième levier dont on n'a pas du tout parlé ce matin et qui
me paraît pouvoir être actionné, c'est celui de la création de valeur et des aménagements urbains. Moi, quand j'ai fait ma PPI, j'ai fait 4 colonnes, avec les 3 premières, plus celle-là. Et dans la création de richesse, dans la valorisation du foncier de nos villes, il y a la possibilité de générer des sources d'investissement. Et donc, la question qui est derrière celle-là, c'est celle de la maîtrise du foncier. Parce que si on arrive à maîtriser assez, par anticipation, le foncier et à créer de la valeur, eh bien, on va pouvoir financer d'autres investissements, notamment verts. Et cette question de la maîtrise du foncier, de sa mobilisation et de son partage, et notamment de sa non-privatisation, permettrait de générer de la valeur. Ça veut dire qu'il faut peut-être trouver des manières d'accentuer le travail et les moyens qu'ont aujourd'hui les établissements publics fonciers. Il faut peut-être aussi libérer du foncier public à des prix qui ne soient pas forcément ceux du marché, et peut-être aussi faciliter ou encourager les élus bâtisseurs pour qu'ils génèrent ou ils se lancent dans des opérations d'aménagement qui généreraient de la valeur, et peut-être là aussi mettre l'accent sur, comme Michel parlait de péréquation, on pourrait imaginer que ceux des aménagements qui sont fléchés sur des opérations de verdissement ou zéro carbone soient facilités. Voilà. Donc l'idée, il y a les 3 premiers leviers, on en a parlé, mais il y en a un dernier, c'est créer de la valeur sur les territoires et orienter cette, faire en sorte que cette valeur, dès le départ, cette création de valeur, elle soit dédiée aux investissements publics locaux verts. Voilà. Merci. Merci. Qui soit, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Assez brièvement, pour dire qu'au titre des départements, enfin, les choses ont été bien posées. Il faut saluer le rôle clé qui est joué par la Caisse des dépôts et les banques des territoires, qui sont toujours des partenaires extrêmement efficaces pour ces financements de long terme. Sur la question, effectivement, de l'expertise locale, et en fait, je crois que la question, c'est qu'est-ce qui permet de fonctionner ? Un, capacité de financement. Deux, la question de l'expertise locale, et madame l'a rappelé, sur chaque fois que cela est mis en œuvre, souvent au niveau départemental, ça permet d'accélérer les projets. Et c'est aussi un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu qui permet de créer de l'émulation au sein du bloc local. Je crois que c'est un point très important. Et puis par rapport à la question qui est posée sur qu'est-ce qui permet de pouvoir accélérer l'investissement, il y a quand même cette question au final de qu'est-ce qui rend possible les choix politiques en faveur du long terme, en faveur de l'investissement pour la transition écologique. Et le fait de pouvoir sortir du montant global d'endettement les investissements qui permettront d'avoir une rentabilité et qui ne seront pas regardés de la même manière, parce qu'on sait que dans le débat public, la question du niveau d'endettement est toujours un point qui est pris en compte. Je crois que c'est vraiment utile. Et donc, à ce titre, il faut saluer la proposition de loi que vous avez portée récemment, parce que je crois qu'elle va vraiment dans la bonne direction, en espérant qu'elle aille au bout. Et j'ajoute simplement que je ne crois pas, encore une fois, qu'il faille absolument segmenter l'intervention de chaque collectivité, parce que ce qui va permettre de pouvoir faire les choix politiques en faveur de la transition écologique, en faveur du long terme, surtout la capacité à porter un projet global, et pas simplement de se dire on va être actif simplement sur la rénovation énergétique du parc de bâtiments que nous avons en maîtrise d'ouvrage. Mais vraiment, c'est cette question-là de pouvoir porter un élan, et là-dessus, il faut que nous puissions agir sur les différents aspects de la transition écologique. J'ajoute un dernier élément, c'est que la question peut se poser, il faut le prendre prudemment, d'élargir un peu le champ de ce qui est peut relever de la taxe d'aménagement pour les ENS, au titre notamment des questions de biodiversité. Aujourd'hui, la question de la biodiversité se réfléchit aussi sur la présence de la biodiversité dans les parties plus urbaines, de la question des trams, et le champ d'utilisation de la taxe ENS peut être éventuellement un peu restrictif, permet d'être un peu réinterrogé, parce que cette question, ce n'est plus simplement d'avoir des espaces sanctuaires, mais aussi d'avoir justement ces trams qui concernent aussi les tissus urbains de nos territoires. Merci beaucoup, Sébastien Miossec. Allez-y, Sébastien.
merci à Michel Klopfer pour toutes les propositions qu'il a ouvertes et qui sont intéressantes. Elles méritent du coup de la part des collectivités, mais aussi de l'État, de voir qu'est-ce qui doit être adapté dans nos process ou dans les textes, les textes qui régissent les possibilités de financement. Donc ça fait écho au texte sur le tiers financement qui a été déposé par président de la délégation, qui sont des opportunités nouvelles, mais qui sont conditionnées à deux choses, hein, de réhabiliter la dette globalement, la nôtre directement ou celle qu'on fait porter par des tiers. Et c'est important, donc la dette qu'on peut contractualiser auprès des acteurs publics, type Banque des Territoires ou l'Agence France Locale, qui sont des outils à la main des collectivités ou en tout cas cousines des collectivités, mais aussi des organismes bancaires classiques privés. Et sur le tiers financement, il y a toujours ce spectre d'il y a 10-15 ans des PPP là, qui avaient mauvaise presse, et pour une bonne partie à juste titre d'ailleurs, mais il y a aussi des outils type société publique locale, Pays de l'Orient, l'Orient agglomération et Quimper les communautés, on a une société publique locale autour de l'énergie. Et c'est un vrai bon outil pour justement sortir, dans ma commune, par exemple, au lieu de refaire une chaudière fuel sur le groupe scolaire, c'est la SPL qui va porter la chaudière bois en lieu et place de la collectivité. Donc ça, c'est aussi un moyen d'ingénierie financière sur lequel on a besoin de s'outiller à l'échelle locale. Et j'en viens du coup à l'ingénierie. Insister sur ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, et je parlais de l'eau et l'assainissement, je peux illustrer à nouveau là-dessus. Face aux défis qui sont les nôtres, on a besoin d'ingénierie pour à la fois connaître mieux, si je reste sur l'exemple de l'eau et l'assainissement, connaître mieux nos réseaux, parce qu'on a un défaut de connaissance. Et quand on a repris la compétence des communes et des syndicats locaux il y a maintenant 4 ans, on a constaté quand même que le réseau, soi-disant était plutôt en bon état, n'était pas forcément en si bon état. Donc on sait, parmi les dépenses qu'on a assumées en plus à l'échelon communautaire via le transfert de compétences, c'est d'abord de connaître le réseau, ensuite de planifier beaucoup mieux des travaux là où on faisait beaucoup du coup par coup, et puis d'assumer aussi directement l'ingénierie qu'on sous-traitait souvent à des cabinets conseils, qui ont leur intérêt, et je ne leur jette pas la pierre, mais je pense qu'on a une capacité à mieux programmer, mieux assumer, mieux réaliser nos travaux quand l'ingénierie est directement portée par un acteur public. Ça peut être directement la collectivité ou des syndicats des syndicats type syndicats d'énergie, parce qu'on a une connaissance plus fine. Et je pense que c'est un vrai gage aussi de mieux investir sur la transition écologique future. Mais je soulève, pour ne pas être trop long, deux petits risques ou deux petites alertes. Et le député Cosson tout à l'heure l'évoquait sur la rénovation de l'habitat. On a dans beaucoup d'endroits une instabilité des personnels qui sont recrutés sur ces missions-là, parce que souvent ils dépendent de financement d'agences, ça peut être l'ADEME sur certaines missions, ça peut être l'ANA sur les espaces France Rénov', etc., où on a une instabilité des financements qui conduit les structures porteuses, ça peut être des associations ou des collectivités, à recruter des contractuels. Donc là aussi, dans la lisibilité, la capacité à rassurer, il y a aussi ces choses-là. Et puis j'ajoute un autre élément, ces financements sont souvent accordés quand les collectivités recrutent pour ces missions-là, alors même que face à l'adaptation de nos missions, on aura probablement des enjeux aussi de réaffectation de certains personnels sur des nouvelles missions. Et aujourd'hui, souvent, il y a des obstacles au financement de nos partenaires sur ce seul blocage-là. Donc peut-être qu'il faut argumenter, expliquer pourquoi on a des changements de mission sur un certain nombre de nos agents pour aller justement sur les enjeux de transition écologique. Mais si on veut qu'on tiennent nos dépenses de fonctionnement, il faut aussi nous permettre d'avoir de la souplesse sur tout ça. Et un dernier point pour clôturer, puisque je ne sais pas si on aura un dernier tour de clôture, mais attention quand même dans tout ça à ce que dans tous les financements qu'on peut apporter, le cadre nouveau qu'on veut porter, que chacun reste dans sa liberté et ses responsabilités. Et qu'on ne soit pas jugé, nous, dans les collectivités, en opportunité sur nos propres dépenses, qu'elles soient d'investissement ou de fonctionnement. Chacun a entré dans un élan qui est celui de la transition écologique. Et chacun a aussi la responsabilité d'assumer ses compétences, ses responsabilités devant les électeurs. Donc, quelques échos médiatiques ces derniers jours qui m'inquiètent et qui nous inquiètent à Interco de France en la matière. Merci pour une dernière prise très, de très, parole. Très rapidement, dans le sillage de ce qu'a dit Michel Klopfer. Donc,
Premier point, faire en sorte que les partenaires institutionnels financiers connaissent sans doute mieux les structures dans lesquelles, donc auxquelles nous confions effectivement des grandes opérations de transition, production d'énergie, je pense par exemple à la géothermie, et les flux, effectivement, la possibilité, notamment vers les syndicats, d'affecter en section investissement, c'est fondamental. En étalant effectivement la dette, donc cela donnerait un effet de levier très important. Et puis peut-être plus ponctuellement, faire en sorte aussi d'ouvrir en quelque sorte de nouvelles possibilités. Je vous donne un exemple. Sur mon territoire, le Sicoval, nous montons une SEM énergie avec une SAS géothermie, une boucle d'eau. Mais nous ne pouvons pas exercer simultanément la question de la production et de la distribution. Alors qu'en matière de maîtrise publique, il nous apparaîtrait réellement intéressant de pouvoir maîtriser, bien qu'il y ait des effets de levier très intéressants sur les investissements, ça peut aller de 1 à 100, tout en gardant la maîtrise publique. Il nous faudrait là peut-être aussi des ouvertures donc en matière législative pour pouvoir garantir au client final cette maîtrise-là. Ça n'est qu'un exemple, mais pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire bouger de ce point de vue-là. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers mon collègue Jean-Claude Rau qui voulait intervenir. Oui, merci. Alors évidemment, plus le temps passe et plus il est compliqué d'avoir un propos inédit, donc vous m'excuserez par avance. On a entendu un certain nombre de discours volontaristes ce matin, et tant mieux, notamment de la part du ministre, qui a évoqué le fonds vert, auquel, à mon avis, il manque un zéro pour prendre la mesure de l'urgence climatique, mais c'est un avis tout à fait personnel. En tout cas, merci, Monsieur le Président, pour l'organisation de cette rencontre, pour la qualité des témoignages et des interventions que nous avons pu avoir. On voit qu'en la matière, il y a toujours deux pédales, évidemment, celle de l'accélérateur et celle du frein. Et d'après ce que j'ai entendu et compris ce matin, ce n'est pas l'envie qui manque, hein, mais plutôt les conditions du passage à l'acte. Donc je pense que ce qui est utile, ce sont des dispositifs qui soient lisibles et qui soient aussi durables. C'est aussi une synergie. On sait que c'est compliqué parfois avec le fameux millefeuille des compétences entre les différentes collectivités pour pouvoir mener une action concertée. Et puis peut-être, alors je ne sais pas comment le formuler, mais une sorte de décloisonnement des activités aussi. Parce que ce matin, nous avons parlé des transports, nous avons parlé du logement, mais par exemple, nous n'avons pas parlé d'agriculture, qui est un petit peu hors champ, mais qui a quand même effectivement un impact très net sur ces enjeux-là. Ensuite, besoin d'un soutien. Donc, je vais être bref. On a beaucoup parlé d'ingénierie, hein, que ce soit du diagnostic à l'accompagnement au lancement. Il n'y a pas très longtemps, nous avions reçu le CEREMA en audition, Monsieur le Président, et c'était effectivement très intéressant. J'en ai fait l'écho auprès d'un certain nombre d'élus qui m'ont rétorqué « Oui, c'est formidable, on a besoin d'eux, on a envie de travailler avec eux, mais les délais sont de plusieurs mois, voire encore plus. » Donc effectivement, on revient à cette dimension humaine où il faut vraiment qu'après, pour l'accompagnement des uns et des autres, il puisse y avoir une réponse pas trop lointaine. Et puis on voit aussi qu'il est utile d'avoir une confiance de part et d'autre, c'est-à-dire une confiance en l'État pour la durée des engagements, et puis aussi une confiance de l'État vers les collectivités également. Donc pour terminer, je dirais, pour ne pas venir à nos fins en matière de transition énergétique, nous disposons évidemment d'un certain nombre de stratégies, de plans qui sont bien en place. Je vais juste prendre un exemple parallèle qui est celui de l'eau, où de l'échelle européenne à l'échelle locale, tout est bien en place. Et il y a des moyens colossaux qu'ils ont mis en œuvre chaque année pour reconquérir la qualité de l'eau. Et c'est un petit peu comme le rocher de Sisyphe, on a toujours l'impression de repartir et de ne jamais pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, en la matière, nous savons que le temps presse et que nous avons une obligation de résultat au-delà de nos mandats personnels. Donc voilà, ma conclusion figure sur quels outils, pour s'assurer quels outils fiables, pour pouvoir nous assurer que les objectifs soient atteints. Alors que ça prenne la forme d'une loi de programmation pluriannuelle, d'une dette verte, etc. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment une politique tout à fait nette et volontariste pour qu'on puisse anticiper les leviers de réaction, autoriser l'expérimentation
Et puis, sans aucun doute, en tout cas, il faut poursuivre ensemble cette réflexion. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui souhaitent prendre la parole? Bon, je vois que l'heure tourne. Nous avons fait, je crois, je vais dire quelques mots de conclusion de manière très synthétique, parce que je pense qu'on a eu des échanges riches, nourris, approfondis, assez longs aussi. Et merci aussi à tous les intervenants, vraiment très sincèrement, pour leur disponibilité. Je crois aussi la qualité des échanges, de leurs interventions, qui se sont, je crois, très largement complétées, qui nous ont permis d'appréhender à la fois le sujet dans toutes ses dimensions, à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue des politiques publiques, de ses financements, jusqu'aux dimensions les plus techniques, les plus comptables. Donc je me garderai bien d'essayer de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Je n'y arriverai probablement pas. Mais en deux mots, je voudrais quand même souligner, je pense, ce que vous avez pu noter dans nos échanges. Il y a beaucoup de points de convergence dans tous nos échanges. Je crois sur la nécessité de changer de rythme sur nos investissements, que la marche, elle est très haute, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour la franchir, que les collectivités territoriales, elles sont un maillon essentiel pour arriver à atteindre nos objectifs, pour ne pas dire primordial dans cette... Et donc, la nécessité de nourrir ce dialogue très rapproché avec les collectivités territoriales et nous, j'allais dire, législateurs, accompagner ce mouvement, vous permettre de franchir ces étapes-là. Et je crois que ça fait partie de nos points de convergence, tout comme la question de l'ingénierie. Après, moi, ma conviction, c'est que je pense qu'on ne changera pas de rythme si on ne change pas notre approche. Il n'y a aucune raison qu'on double des investissements si on reste exactement dans le cadre actuel. Parce que le cadre actuel produira exactement les mêmes effets. Je ne crois pas juste à la prise de conscience, je crois aussi aux incitations, aux outils. Et moi, je crois qu'il y a quand même plusieurs sujets sur lesquels il faut qu'on arrive à bouger collectivement. Ça a été largement dit, et j'insiste sur la question du financement. Le fonds vert est une chose. Les financements de l'État ne viendront pas couvrir tous les investissements nécessaires portés par les collectivités territoriales. Je crois qu'on doit être dans ce rôle de comment est-ce qu'on réoriente tous les soutiens de l'État vers la transition écologique et donc s'ouvrir à d'autres sources de financement. Et la dette, on en a beaucoup parlé. Certains ont dit qu'il faut la réhabiliter. Je crois que ce qui est certain, c'est qu'il faut pouvoir étaler dans le temps des investissements qui sont utiles, mais qu'on doit faire tout de suite. L'étaler, mais pas la cacher. Il y a eu un débat sur faut-il l'isoler. Moi, je ne crois pas du tout, je ne suis pas un tenant de ça. Je crois qu'il faut qu'on assume politiquement le fait qu'il y a des dépenses qui sont utiles, qui sont bonnes, et pas tenter de vouloir la dissimuler, la cacher. Je crois qu'il faut qu'on l'assume. Elle est bonne parce qu'en face d'une dette, il y a une dette, certains l'ont dit, climatique. Et par ailleurs, je crois qu'il faut qu'on fasse évoluer l'approche sur l'autofinancement. Le ministre disait, 80 des projets autofinancés, ce n'est pas possible. Si on veut accélérer, ce n'est pas possible. Il faut pouvoir aller chercher d'autres types de financement. On a parlé du tiers financement, ça en fait partie. Je pense que, comme de la dette, de l'épargne, mobiliser l'épargne des Français, donc de l'investissement privé sur ces grands enjeux climatiques, je crois que ça doit faire passer partie de notre nouveau regard sur cette question-là. Et puis du côté de l'État aussi, dans sa relation avec les collectivités territoriales, vous l'avez beaucoup dit, comment est-ce qu'on donne de la visibilité, de la pluriannualité? Je trouve que l'exemple du fonds vert est très bon. Sur une année, comment voulez-vous qu'on s'engage sur des projets à plusieurs années avec des financements à court terme? Ça, c'est certain. Et je crois qu'il faut qu'on fasse, nous aussi, un peu un travail autour de la confiance, de la pluriannualité. Je ne reviens pas sur la nécessité que nous-mêmes, il faut qu'on ait un cadre pluriannuel, mais il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Et puis les dimensions financières et comptables. On l'a vu entre la distinction fonctionnement-investissement, les amortissements, la budgétisation verte. Je crois qu'on a un gros travail aussi à faire pour ajuster notre cadre institutionnel, comptable, financier à cet enjeu-là. Et ça, c'est aussi tout le travail que le Parlement doit faire ici. Je crois qu'il faut qu'on puisse s'en saisir au sein de la délégation et ailleurs. Je suis par ailleurs membre de la commission des finances à l'Assemblée. Et enfin, pour vous dire, et ça sera vraiment mon dernier mot, que compte tenu de toute la richesse des échanges, on publiera une synthèse de tous ces échanges dans le cadre de la délégation. On a enregistré ce qui nous permet de garder les interventions précises des uns et des autres pour pouvoir livrer au débat public, parce que je pense que ça doit être un débat public. On parle du débat autour de la dette, mais plus généralement de l'investissement public local. Donc on publiera la synthèse de ces échanges. En vous renouvelant mes remerciements au nom de la délégation pour votre présence, votre mobilisation, ces échanges, et merci aussi à l'équipe qui a permis l'organisation au cordeau de cette matinée. Voilà, merci encore à toutes et à tous, et à bientôt, j'espère.